Bonjour à tous et bienvenue à la 58e édition du Bombcast. Aujourd'hui, nous parlons de 4 films encore en salle avec la première partie de Nymphomaniac de Lars von Trier, Du sang et des larmes de Peter Berg, Old Boy de Spike Lee et enfin La vie rêvée de Walter Mitty, la nouvelle réalisation de Ben Stiller. Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons ensuite sur notre bilan de l'année 2013 qui vient de s'achever. Avec nous aujourd'hui, on a Jet Trigado, Scalp, salut, Alegas, salut, Jack Spret, salut, et moi-même Logan. Début d'année oblige, il n'y a pas de sortie Blu-ray et DVD à se mettre sous la dent, donc on va passer tout de suite aux sorties de la semaine, et on va commencer avec Old Boy de Spike Lee, et c'est Alegas qui nous en parlait. Who are you? If you were trying to find your daughter and clear your name, I could help you. If you would like to see your daughter alive again, answer two questions. One, why did I imprison you for 20 years? And two, why did I let you go? I don't want you to go. I don't have a choice. Whoever you are, I will find you. I only run this place, all right? You might want to think about what you're doing here. I've been thinking about it for the last 20 years. Bon, alors Old Boy, je suis le seul de l'équipe à l'avoir vu, parce que apparemment c'était un film qui était pas du tout attendu, que ce soit par le grand public ou les cinéphiles, hein, c'est clair que voir un remake américain d'un tel film coréen, ça donne pas spécialement envie. Surtout quand on sait du coup ce qu'a connu la production du film depuis 2003 en fait, parce qu'il faut savoir que le projet de remake, c'est un truc qui évolue quand même depuis super longtemps. Spielberg avait acheté les droits à l'époque. Le film devait se faire avec Will Smith, qui était aussi en coproducteur. Pour une question de droit, parce que apparemment le film voulait s'inspirer plus du manga que du film coréen que du film de Park Chan-wook. Et du coup, il y a eu un gros problème de droit par rapport à ça à l'époque. Et du coup, le projet a été vite fait abandonné avant de revenir un peu il y a 2-3 ans. Et au final, c'est Spike Lee qui a pris le poste de réalisateur, et avec Josh Brolin en rôle principal. Donc voilà, le truc arrive plus de 10 ans après le film de Park Chan-wook. Bah, c'est précédé déjà d'un buzz vachement négatif quand même, parce que alors déjà le film marche pas. Bon, ça marche pas du tout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, le film commercialement c'est un désastre. Et niveau prod, on peut pas dire que ce soit le meilleur des trucs qui soit passé, parce que apparemment le film durait presque 3 heures, et au final la version qu'on a en salle elle dure 1h45. Donc voilà, d'après ce que dit Spike Lee à demi-mot, c'est il a été totalement dépossédé du film. On lui a imposé des trucs qui voulait absolument pas mettre, et on lui a même retiré un truc. Alors ça peut paraître tout con, mais limite, enfin, c'était quand même la signature de Spike Lee, ce qu'il y a d'habitude, c'est-à-dire le Spike Lee joint. C'est un truc qui est pas dans Old Boy. Maintenant, c'est Spike Lee film comme tous les autres, et mine de rien, c'est un truc qui a son importance, parce que du coup, voilà, c'est un truc qui est même plus assumé par Spike Lee, en tout cas dans sa version sortie en salle. Donc alors, est-ce qu'on aura le Director's Cut un jour? C'est peu probable, surtout quand on voit comment le film marche pas. Mais bon, on peut toujours croiser les doigts, parce que là, du coup, je vais parler vraiment du film. C'est que Old Boy, ça se voit que en fait, c'est un film qui a été dépossédé, et du coup, il en vient la curiosité de voir ce que c'est en fait cette fameuse version, parce que là en fait ce qu'on a actuellement en salle, c'est un film qui copie, alors je vais pas dire au plan près, mais en tout cas à la storyline prête, qui recopie le film de Park Chan-wook. Qu'est-ce qu'il y a en moins? Bah, il y a tous les gros délires visuels généraux de Park Chan-wook, c'est-à-dire tout ce qui est un peu poésie, ce qui est un peu typé autoriste. Il y a plus ça dans le film de Spike Lee. C'est un film qui est beaucoup plus brut, un film qui est du coup plus pour le public américain, enfin en tout cas plus pour le public américain, ouais. Et enfin voilà, du coup on y gagne un peu en brutalité, et même au niveau du script, enfin j'en reparlerai tout à l'heure. Mais du coup c'est à la fois deux films qui se ressemblent beaucoup, mais c'est aussi deux films qui ont pas la même approche de leur sujet en fait. Après, là où il y a un truc qui est assez surprenant, c'est aussi voir en termes de mise en scène que Spike Lee, alors on reconnaît bien quand même sa patte, et après là je saurais pas dire si c'est vraiment un défaut ou si c'est une qualité du film, mais en gros Spike Lee quand il a fait le film, je crois qu'il s'est dit qu'en fait tous les moments bien marquants du film original, il allait essayer de reprendre à peu près plus ou moins le même travail de mise en scène qu'il y avait là-dessus.
Donc du coup, quand on kidnappe le personnage principal, il y a la fameuse scène sous la pluie avec le parapluie en plongée zénitale. Là, il y a exactement la même chose. Le fameux plan séquence du combat dans le couloir, bah là aussi c'est exactement la même chose. Alors sauf que il y a un moment il y a un petit insert et du coup apparemment c'est un truc que voulait pas mettre Spike Lee mais que la prod lui a imposé. Donc voilà c'est. Mais enfin en gros l'idée quand même est là, c'est qu'il y a vraiment une idée de plan séquence pendant tout le fight et là du coup ouais, vient la question est-ce que c'est vraiment une qualité ou un défaut, enfin bref le truc c'est que là je juge un film sorti en salle de 1h45 alors que le film il était censé durer 3h, enfin bon par contre là où le film se différencie bien c'est du coup ce que je disais en termes de script. Alors il y a toute une partie de storyline qui a été modifiée et c'est tout ce qui touche à l'inceste. Il y avait pas mal de rumeurs de toute façon sur les premières critiques du film comme quoi il y avait en effet l'inceste qui avait été modifié, qui avait été accentué. Donc du coup là ça faisait quand même un peu peur. Enfin est-ce que ça allait pas être de trop et tout. Alors là sans trop spoiler, en gros c'est il y a beaucoup plus de personnes concernées. C'est que du coup dans le film original, sauf erreur, c'était le méchant, c'était un gars qui se tapait sa sœur. Et un gangbang. Alors là, écoutez pas ceux qui veulent regarder le film un jour, hein, mais en gros, le film original, c'était un gars qui se tapait sa sœur, et là, le méchant, c'est un gars qui se tapait sa sœur, et en fait, sa sœur se tapait aussi son père. Et son père, en gros, enfin, le père se tapait en fait toute la famille. Il y a même un plan assez suggestif où, en gros, à un moment, le père rentre dans la chambre de son fils et son fils il fait ah salut papa, il se lève et il ouvre sa braguette. Le traitement de Spike Lee fait en sorte que ça passe plutôt bien en fait dans le film. Le côté très brut de décoffrage, ça fait que c'est pas ça passe pas, c'est comme dans le film original en fait, c'est pas spécialement quelque chose que tu trouves drôle lorsque tu regardes ça. Et là où le film change beaucoup, c'est aussi au niveau du final, parce que dans le film original, il y avait l'inceste qui était accepté et qui était limite une voie de bonheur en fait, qui était présentée en tout cas un peu comme ça. Et là c'est totalement différent et je dirais limite que je trouve la fin alors elle est moins poétique mais émotionnellement elle marche beaucoup mieux. Franchement là pour le coup c'est en fait avec ce genre de truc que du coup j'en viens à me demander si il y a pas un grand film en fait derrière tout ça, si la version de 3 heures forcément du coup elle fait 1 heure de plus que le film de Park Chan-wook, donc forcément elle doit quand même pas mal changer les choses. Et du coup, j'en viens de dire que ouais, Spike Lee, en fait, il a peut-être fait un grand film derrière, mais là, le truc, c'est que pour le moment, bah, il n'y a aucun moyen de juger. Enfin, j'espère qu'on pourra un jour en reparler, hein, de toute façon, de ce Hellboy dans sa vraie version, mais là, en l'occurrence, la version ciné, c'est un truc qui n'est pas spécialement marquant. Il y a clairement des bons trucs, hein. Enfin, pour moi, c'est un truc qui vaut clairement la moyenne, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu sens le film charcuté, quoi. C'est tout le long, c'est une succession de scénettes. Quand on a vu le film original, ça sert à rien d'aller le voir, de toute façon. Là, je crois qu'il faut vraiment croiser les doigts pour avoir la vraie version de Spike Lee. Question con, si on n'a pas aimé le film original et qu'on aime bien Spike Lee. Je saurais pas dire, parce que là, pour le coup, c'est ce que je dis, hein. Là, le film, c'est du copier-coller, donc, là, la version ciné, je te la conseillerais pas, parce que je pense que tu diras globalement la même chose que ce que tu reprochais au film de Park Chan-wook. Autre question con, comment on peut faire un remake d'un film de 2 heures qui dure 3 heures? Bah justement, c'est là que je sais pas, moi j'aimerais bien savoir justement, parce que autant des remakes qui enlèvent des trucs de l'original, ok, mais là ça serait des trucs qui en ajouteraient, enfin ça serait un film qui ajouterait beaucoup beaucoup quoi, donc au point que ça serait plus du tout le même film. Mais du coup c'est peut-être ça qui faisait peur aux producteurs en fait, c'est qu'ils avaient commandé un remake de Hellboy et peut-être qu'ils se retrouvaient finalement avec tout autre chose, et du coup c'est ce qui leur a fait peur. Mais ouais, parce que le film de Park Chan-wook, il était quand même réputé pour être fidèle au manga d'origine, et donc je vois pas en quoi 1 heure supplémentaire de métrage ça pourrait amener. Ah bah du coup moi je sais pas, j'ai pas lu le manga. Ah, pour répondre à Jack, le film de Park Chan-wook est pas si fidèle que ça au manga, hein. Il y a quand même beaucoup beaucoup de libertés qui ont été prises. Dans le manga par exemple, il y a pas d'histoire d'inceste, hein. Il faut le savoir. Ouais, donc c'est plus des ajouts alors qui ont lieu dans le film de Chan-wook. Donc je trouve le film un peu bizarre par rapport à ça. C'est que déjà pendant le générique, le générique de début, il y a un moment inspiré du film de Park Chan-wook, mais il y a aucune mention du manga. Et c'est vrai que ouais, vu comment le film est, enfin dans son script, dans sa version sale, vu comment c'est un copier-coller du Park Chan-wook, même jusqu'à reprendre la mise en scène de certains passages. C'est vrai que du coup, la note d'intention, elle est un peu foireuse là. C'est que si à un moment ça voulait coller
plus au manga, c'est pas totalement réussi, c'est clairement un copier-coller du film de Park Chan-wook. Enfin voilà, faut, je pense qu'il faut vraiment attendre cette version de 3 heures, parce que enfin moi j'espère vraiment qu'on l'aura en vidéo celle-là, parce que Spike Lee sur un tel truc, mine de rien, bah j'attendais ça avec un minimum d'attente quoi, mais là ouais c'est vraiment du gros travail de producteur là qu'on sent, mais moi j'aimerais bien avoir la vision du réalisateur. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, maintenant passer à l'Infomaniac et c'est moi qui vais en parler. Perhaps the only difference between me and other people was that I've always demanded more from the sunset. More spectacular colors when the sun hit the horizon. That's perhaps my only sin. Ouais, donc Nymphomaniac, la nouvelle réalisation de Lars von Trier qui a été annoncée déjà depuis 2 ans à Cannes. Il avait fait une espèce d'annonce avec son marteau là, en disant oui, je ferai un film érotique qui mêle le cinéma classique au porno. Enfin, c'était une annonce un peu de petit malin qui faisait un petit peu peur sur le papier, surtout en connaissant Lars von Trier. Mais au final, le film, enfin le produit que j'ai vu, c'est quand même plus compliqué que ça. Et au final, c'est pas le film de petit malin qu'on aurait pu croire. Déjà, il faut savoir que c'est un film qui est vendu en France en 2 parties. Il y a la première partie donc qui est sortie en début janvier, et l'autre partie qui sortira fin janvier. À savoir que les 2 parties font au final 4 heures, alors que 5h30 était initialement prévu, mais ça a été remonté par le producteur du film qui a eu l'autorisation de Lars von Trier, mais c'est un montage qu'il n'a pas approuvé au final. Pour lui, il reconnaît que le film de 5h30, sachant que le film de 5h30 de toute façon existera et sortira, je crois, en festival d'ici 4 ou 5 mois, je sais plus, à Berlin ou quelque chose du genre, j'ai plus le nom du festival en tête. Donc au final, ouais, le film me faisait vachement peur. Déjà, le premier trailer qui était assez graveleux était franchement pour moi désastreux. Voilà, je regardais ça en rigolant un petit peu, en disant « Haha, ça a l'air d'être une autre connerie de Lars von Trier ». Et au final, c'est franchement une bonne surprise ce film. C'est loin d'être un film porno, c'est un film qui a ses petits moments et qui traite de la sexualité, mais comme j'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est au final, on part d'un postulat qui est à la limite du compte. On a une espèce d'ouverture qui est formidable sous la neige, où on découvre le corps de Gainsbourg qui est rué de coups et puis qui va aller chez le personnage de Stellan Skarsgård. On se croirait limite à Noël, quoi. Il y a des échanges et c'est assez beau ce qu'il en fait. Au final, on a un film fleuve qui est nostalgique un petit peu, qui revient sur la vie d'une femme en 8 chapitres. Ça fait un petit peu penser à la vie d'Adèle de Kechi. Je trouve que ça a rien à voir avec au niveau de la note d'intention. Et ici, ça cherche pas le réalisme à tout prix. Ça va clairement dans le cinéma avec un grand C. Donc, ouais, les 8 chapitres, il y en a 5 dans la première partie. On a déjà un premier chapitre qui revient sur l'adolescence de Charlotte Gainsbourg. À savoir que Charlotte Gainsbourg, on la voit dans cette première partie, mais c'est pas le personnage principal. C'est le personnage principal, mais c'est pas elle qui joue le personnage. On retrouve donc le personnage qui est dans ses premières années, qui est à peu près à la vingtaine et qui est joué par Stacy Martin, qui est une révélation pour moi. Elle est formidable. Elle est très froide, mais elle dégage une espèce d'humanité en même temps. C'est très intéressant. C'est un premier rôle en plus. C'est assez étonnant. Donc ouais, comme je disais, le premier chapitre, on la suit adolescente qui découvre un petit peu sa sexualité. Donc le deuxième chapitre, on a un aspect plus romantique de la sexualité, parce qu'on comprend que ses pulsions peuvent se stopper à cause du romantisme, et que même elle se stoppe d'elle-même et qu'elle va vivre autre chose. C'est intéressant. Même il y a un quatrième chapitre où justement on voit la sexualité par le deuil de son père. Et Lars von Trier essaye de montrer une évolution du personnage et de montrer en quoi la sexualité peut aider dans la vie et en quoi la nymphomanie peut aider, quoi. C'est pas un espèce de postulat qui est là pour juger, qui est là pour dire ouais, la nymphomanie c'est pas bien, la nymphomanie c'est maladie. Non, c'est pas du tout. Enfin, du premier chapitre qu'on a vu, c'est pas ça le sujet. Autre chose aussi, le film est très drôle. C'est une surprise que j'ai eue dans le film. Il y a le troisième chapitre qui est avec Uma Thurman, il y a un quart d'heure où elle est dans un espèce de monologue avec ses 3 gamins, pour situer un petit peu le troisième chapitre. C'est donc le personnage de Stacy Martin, le personnage principal qui accueille donc un homme qui trompe sa femme et qui va quitter sa femme pour elle, alors qu'elle se fout complètement de cet homme.
Et donc, il y avait Maturman qui va débarquer sur elle avec, chez elle avec ses gamins et lui montrer, oh, regarde, c'est elle la maîtresse de ton père, oh, regarde pourquoi ton père, il nous trompe, oh, regarde, vous n'allez plus jamais voir votre père ou je sais pas quoi, mais c'est traité sur un ton, mais comique et jusqu'au boutisque qui est assez hallucinant, quoi. En fait, moi, j'étais mort de rire pendant les 20 minutes, c'est un espèce de jonglage permanent entre le drame glauque et la comédie, la screwball comédie, quoi, limite, c'est assez étonnant pour de Lars von Trier, ça m'a fait plaisir de voir ça au cinéma, quoi. C'est franchement, l'année 2014 ne fait que commencer, mais franchement pour moi ce sera une des scènes les plus comiques de l'année. Pour moi c'est hallucinant de voir ça dans ce film là, quoi, justement. Quand tu la racontes, c'est pas drôle du tout, hein. Ouais, non, c'est pas drôle, je suis d'ailleurs elle est pas drôle du tout, moi j'ai pas rigolé. Ah bon, bah moi franchement je dois avoir un humour spécial, mais ça m'a fait péter de rire. Mais moi je l'ai trouvé un peu pathétique, cette scène, et ouais, mais justement c'est ça qui est génial, c'est le jonglage entre le pathétisme, le drame, et puis au final le comique de situation, quoi. Et Lars von Trier arrive et il fait ça avec une maestria qui est assez hallucinante, quoi, j'ai trouvé. Après, le film, quand même, il n'est pas complètement parfait. Le problème, c'est que Lars von Trier est conscient de son génie et au final, c'est un peu son propre ennemi, parce que le mec se sent obligé donc d'en rajouter des masques dans le grave bleu pour essayer de choquer un petit peu le bourgeois pour qu'on parle de lui. Et je trouve ça assez lourd, quoi. Par exemple, il y a des plans où on voit des fellations en gros plans, où on voit des inserts porno, ça rime à rien, ça sert à rien dans le film, je comprends pas. Je veux dire, on peut te montrer la même scène sans ça, et on voit que le mec essaye de se différencier des productions actuelles pour qu'on parle de lui, mais sauf que pour moi, au final, ça me saoule, parce que je vois le réalisateur, je vois ce qu'il essaye de faire, et ça me sort du film, quoi. Quand je vois des gros plans sur des fellations, bah moi, je suis désolé, ça rime à rien, quoi. C'est un peu comme le début d'Antichrist, quoi. Je veux dire, il y a aucune utilité, quoi, dans le film. Et quand je vois justement les espèces d'images qu'on voit du 2, ça me fait peur. Et limite, je verrais peut-être la version de 5h30 parce que ça m'intéresse de voir les différences. Mais je me dis, est-ce que c'est pas un mal pour un bien qu'on ait coupé quand même certaines scènes? Parce que au final, le film fonctionne, mais fonctionne plus sur la mélancolie du personnage principal, fonctionne plus sur les thèmes humanisme du film, et fonctionne pas du tout sur la pornographie, quoi. Le thème du film, ce n'est pas la pornographie. On n'est pas là pour te montrer des inserts de bites. On n'est pas là pour te montrer des gens qui sont en train de se reproduire. Ça n'a aucun sens pour moi. Je ne comprends pas. Ouais, mais en même temps, là, tu parles de Lars von Trier. Enfin, je sais pas si t'as vu Les Idiots, mais là, pareil, c'est des gars qui copulent dans des écoles, dans des jardins et tout, et je sais pas, tu sens un peu le mec trop intéressé par ce qu'il filme, quoi. Et justement, ouais, justement, et c'est, non mais le film aurait pu tomber là-dedans, et c'était ma principale peur quand j'ai vu la bande-annonce. Et justement, c'est ça qui m'a étonné, c'est que le film, ce n'est pas du tout ça, et il y a une espèce de film dans un film, et je comprends pas pourquoi il s'amuse à faire ça, quoi. C'est les plans de Shia LaBeouf, ou c'est autre chose? Non, enfin on voit Shia LaBeouf, et on voit pas, il y a pas que ça aussi. Il y a une fellation dans un train, on voit une fellation, quoi, comme si sur elle un film porno. Et ouais, non mais franchement, moi je sais pas déjà comment le film peut être interdit au moins de 12 ans, tu vois. Je vais pas faire ma prude de service. Enfin, faut voir la seconde partie. Moi, pour moi, c'est une connerie clairement d'avoir coupé le film en deux. Moi, la fin, moi je voulais je pense que aujourd'hui au cinéma, ça coupe comment? Ah non, alors la fin, elle est collector, quoi. Je veux dire, j'aime beaucoup le film, enfin ça va vous faire marrer, quoi. Le film, c'est Shia LaBeouf et Stacy Martin qui sont en train de coucher ensemble, et ça se finit sur un espèce de cliff où Stacy Martin a fait, oh mon dieu, je ne sens plus rien. Et après, c'est le générique de fin. Ils sont sérieux. Non, mais je sais pas. Non, la fin, c'est autre. Tu vois, on dirait qu'ils essaient de faire une fin de série télé, genre, oh là là, mon dieu, rendez-vous au prochain épisode, tu sais, avec l'image du second épisode. Enfin, c'est ridicule, quoi. Je sais pas ce qu'ils essaient de faire, les producteurs, en faisant ce genre de démarche, mais bon, les films de 4 heures, ça a toujours existé. Je pense que le public peut aller voir des films de 4 heures. Après, je comprends que commercialement... 4 heures. Non, ouais, franchement, si on peut. Je comprends que commercialement, c'est tirer un petit peu une balle dans le pied, mais là, quand on voit les chiffres de façon du film, le film a fait 55 000 entrées ou 60 000 entrées première semaine, je veux dire, ils sont pas assez après, quoi. Les films, les gens qui ont envie d'aller voir ce film, de toute façon, auraient été voir le montage de 4 heures. Enfin, je comprends pas, quoi. Et c'est con parce que ça a aucune logique, quoi. Encore, tu vois, par exemple, pour Kill Bill, ils ont essayé de faire une logique, tu vois, maintenant,
ça me choque pas de voir le film, de voir le film coupé en deux, mais là, autant l'Infomania que le volume 1 et 2, c'est complètement con, quoi. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors moi, il y a un truc que je voulais demander, c'est la façon de filmer les scènes de cul, parce que, alors, du coup, le truc, c'est que moi, j'ai vu deux versions de scènes de cul filmées par Van Trier. C'est que, c'est soit il le fait à la sauvette, façon les idiots, et t'as l'impression que c'est du porno amateur, ou soit c'est ultra léché, et du coup, c'est Antichrist, la scène d'intro, où du coup, c'est du gros ralenti, c'est genre, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et du coup, c'est quoi dans Nymphomaniac? Bah, la caméra, elle se pose quand même à des endroits assez provocants, quoi. Il suffit de voir la scène où il y a Shia LaBeouf et l'actrice, là. Bon, bah, la caméra, t'aurais pas pensé à la placer là, mais c'est vrai que c'est d'autant plus provocant que tu vois tout, quoi. Elle est où, la caméra? C'est pas ça le dessin, quand même. Ah non, mais moi, j'ai pas... Mon imagination est pas débordante. Elle est au niveau inférieur, voilà. Putain, mais dis-le avec des mots. Non, mais il faudrait expliquer dans quelle position la fille est pour savoir quel mouvement de caméra ça fait. Non, mais c'est dommage d'ailleurs qu'on parle que de cul, parce que voilà, franchement, ce film, c'est clairement autre chose pour... Non, mais par contre, c'est vrai que chaque chapitre est différent dans le genre abordé. Il y a bien un chapitre comique, il y a bien un chapitre plus dramatique, un autre plus romantique, un autre beaucoup plus porno. Et c'est vrai que le découpage en chapitres avec des interruptions incessantes du mec à qui on raconte l'histoire, là, ça se garde. C'est pas mal d'ailleurs, ça coupe le chapitre et tu reviens dans la narration avec Gainsbourg et... Ouais, c'est jamais lourd. En plus, moi, je trouve les dialogues, ils sont fabuleux entre Gainsbourg et Skarsgård. Je sais pas, c'est une espèce de complicité. À chaque fois qu'on se demande, c'est un espèce de jeu pervers entre les deux. C'est intéressant ce qu'il en fait, je crois. Et c'est toutes les références qu'il y a, bah déjà le fait qu'il compare ça à la pêche à la mouche, moi j'ai adoré ça. Ah oui, dans le premier chapitre avec le train, oui, c'est très drôle. Enfin, il y a une espèce d'analogie avec la pêche qui est, c'est très intelligent. Toi. On voit que Lars von Trier a une espèce de culture qu'il est en train un petit peu de déballer, comme avec le morceau de Bach ou vis-à-vis de la littérature, mais c'est jamais... Ouais, non, c'est pas lourd, ça rentre quand même dans ces thématiques, c'est assez intéressant. Et alors, vous dites que chaque chapitre, c'est un genre différent, mais du coup, dans le 2, il y aura quoi? Il y aura du survival, de la fantasy. Non, mais quand on dit des genres différents, c'est des approches différentes de la sexualité. Par contre, j'aime pas trop la manière dont il débute son film. On voit qu'il cherche à être provocant, là, avec son plan, son non-plan, d'ailleurs, parce que t'entends juste le bruit de la pluie qui tombe, et y a pas d'image, et t'attends 2 minutes avant d'avoir une image. Bah, c'était gros quand même, le Rammstein. Mais le Rammstein, il arrive pas à tout début, il arrive au bout de 5 minutes. Non, mais c'est intéressant, le début, il est vachement bien, moi j'ai trouvé, parce que c'est une proposition de cinéma, ça veut dire qu'il te laisse complètement perdre tes repères pour te faire rentrer dans le film, ça veut dire que pendant 2 minutes, t'es en train d'attendre le plan, t'es dans le noir, t'as juste le son pour te guider, et au bout d'un moment, t'as les images, et t'es en train de chercher où est-ce qu'il veut t'amener, et ça t'amène justement sur le plan de Gainsbourg, et c'est un espèce, justement, ça te renvoie au conte, et c'est là pour te faire rentrer directement dans le film, ça veut dire que, au niveau de tes sens, que ce soit au niveau de l'ouïe ou que ce soit au niveau de ta vision, ça te fait rentrer petit à petit. Et j'ai jamais vu ça dans un film, justement, au début, tu te dis, ouais, ça va être un truc de petit malin, et justement, j'ai compris au début ce qu'il voulait, enfin, petit à petit ce qu'il voulait en faire, et après, justement, il te fait une rupture de ton complètement fou avec, en balançant du Rammstein, et c'est pas mal. Comme début de film au cinéma, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc aussi ambitieux, quoi. Et même, enfin, pour revenir un peu au personnage de Gainsbourg, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça aurait été facile de faire un espèce de personnage qui est là pour te montrer les dérives, qui est là pour te montrer les jugements, et justement tu rentres directement en empathie avec elle parce qu'elle se pose directement en tant que victime, et petit à petit t'essaies de comprendre comment elle a pu en arriver là et comment elle en est arrivée au point de se montrer elle-même comme victime et au point de se faire tabasser, et comment elle peut devenir une mauvaise personne telle qu'elle se décrit elle-même dans le film. En prenant ce postulat, justement, tu rentres un petit peu avec le personnage de Skarsgård, parce que t'as envie de lui dire non, t'es pas si mauvaise que ça, et justement, je trouve que c'est le bon angle d'approche. Ouais, donc voilà, on va conclure là-dessus. Bon, maintenant, il faut attendre de voir le deuxième chapitre à la fin du mois pour voir un peu la globalité de l'œuvre et tout comprendre, parce qu'on a un petit peu quand même l'impression d'avoir vu une moitié de film. Donc, on en reparlera plus en globalité à la fin du mois. Donc, voilà, on va s'arrêter là-dessus et on va passer maintenant à Walter Mitty et sa légation.
not safe! Life is about courage and going into the unknown. De Walter Mitty, donc qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que le nouveau film de Ben Stiller en tant que réalisateur. Donc, Ben Stiller, c'est un gars qui est d'ailleurs vachement intéressant en tant que réalisateur, parce que autant il est capable de faire du film avec un vrai propos derrière, ou alors il est capable de passer à de la comédie super graveleuse, super potache, mais quand même, enfin voilà, c'est pas juste de la comédie. Tu sens bien quand même que le mec a quelque chose à dire derrière. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant dans la façon dont il touche un peu les genres et notamment la comédie. Et là, La vie de rêver, Walter Mitty, qu'est-ce que c'est? C'est son film qui est sûrement le moins approché comédie, justement. C'est qu'on est plus dans de la comédie romantique avec un discours. C'est produit par un gros studio, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un petit côté. Un petit côté, je veux me rapprocher des productions indépendantes et tout, en tout cas dans les thèmes. Et du coup, ouais, c'est à la fois un film. Qui est très simple en termes d'écriture, mais c'est aussi un film très ambitieux, et ça c'est plutôt sur le plan visuel. Alors qu'est-ce que ça raconte? Alors il paraît que c'est un remake. Alors moi j'en sais rien, j'ai pas vu le film original ou quoi que ce soit. C'est bien? Non, enfin c'est moyen. D'accord. Et globalement tu sais si c'est la même histoire ou? Bah je pense pas que c'est la même histoire, parce que dans l'original c'est un peu une incursion des genres. Ça veut dire qu'on voit le personnage qui s'imagine un petit peu dans des westerns, après qui s'imagine dans des films de bateau, là, j'ai plus le nom en tête, là, bref. Après, ouais, ouais. Voilà, exactement, j'arrive pas à le prononcer, ce putain de mot. Et, voilà, on le voit dans différents genres de cinéma, mais ça reste toujours à hauteur humaine, à hauteur burlesque, j'ai pas vu le film de Stiller, mais Stiller, ça a l'air un peu plus, dans la grandiloquence, un petit peu. Alors, déjà, c'est totalement différent, déjà, parce que du coup, ça touche pas des genres de cinéma, mais ça touche vraiment, c'est le mec qui s'imagine dans des situations, en fait, alors que là, pour le coup, faudrait que je raconte un petit peu l'histoire. En gros, c'est un mec qui bosse au magazine Life. Alors, apparemment, ça se passe il y a quelques années, du coup, parce que Life avait pas encore de site internet, et du coup, on arrive à cette période où le magazine doit entreprendre la transition entre le papier et le blog. Et du coup, Walter Mitty, c'est qui? C'est le gars qui s'occupe des reproductions photographiques, et en gros il apprend qu'il va peut-être se faire virer, du coup, parce qu'on va plus avoir besoin de lui. Le traitement photo, du coup, c'est totalement différent quand tu le fais sur internet que quand tu le fais sur un magazine papier. Donc voilà, le gars va peut-être être viré. Et le gars, en fait, depuis sa naissance a un problème, c'est que il a par moments des absences. Et en fait, il s'imagine à chaque fois dans des situations en fait qui sont des purs fantasmes. Donc par exemple, la première, c'est un passage où il est en train d'attendre le métro, et d'un coup il a une absence, et en fait il saute dans un bâtiment en flammes, sauve un bébé et arrive à choper la femme de ses rêves. Et en fait il y a plein de moments comme ça où du coup il va avoir des absences, et jusqu'à un moment où là je vais peut-être pas raconter tout le film, mais en gros il y a quelque chose qui va le faire partir de cette autonomie. Et en gros qui va devoir aller en Islande, au Groenland, enfin voilà, il va devoir faire un voyage aussi bien intérieur qu'extérieur, pour finalement comprendre un peu le sens de la vie. Du coup, c'est là où on touche un peu à la fois à la faiblesse et à la force du film. C'est que le film, il est très sincère. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je pense que Stiller, en tout cas, quand on voit le film, tu sens quand même que c'est un truc assez personnel. Là où le bas blesse, c'est que la libération que t'es censé apprendre, enfin, que t'es censé ressentir de par le personnage, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je l'ai pas du tout ressenti. Et c'est un gros problème, en fait, c'est le problème du film, c'est que c'est un gros problème d'émotion. À la fois, tu sens le script sincère, mais visuellement, le film, je le trouve assez démago, en fait, dans le sens où il y a tout qui est trop beau, en fait, c'est trop léché, et c'est un peu difficile à expliquer, mais je sais pas comment dire. Au contraire d'un film comme Into the Wild, où tu sens vraiment une différence entre ce que le mec laisse derrière et ce que le mec découvre, là il y a pas une différence visuelle marquante. C'est tu sens pas trop qu'il y a une différence, quoi. Et
Du coup, moi personnellement, ça me gêne un peu. Et surtout que du coup, au niveau émotion, bah tu ressens pas trop le truc, quoi. Il y a quelques belles scènes, hein. Il y a toute une séquence sur du David Bowie qui est vraiment géniale. Mais à partir du moment où ça part en Islande, où du coup c'est ça part dans de la mise en scène trop démonstrative avec du CGI et tout, là on part un peu dans c'est le film qui se prend un peu trop au sérieux, je trouve. Alors que le film, je l'aime beaucoup quand il reste à la fois sérieux, mais avec quand même un penchant de comédie, et à ce niveau-là, les absences du perso de Ben Stiller, elles sont géniales. Genre, il y en a toute une où il s'imagine en train de se disputer un jouet avec un collègue, et ça finit en une grosse scène de baston de super-héros à New York. Enfin, c'est du gros délire. Et j'aime bien quand le film part vraiment dans ça, ou alors quand il a vraiment quelque chose à dire sur la fin. Après, le truc, c'est que je pense que c'est le problème un peu des films personnels, par rapport à leur auteur, c'est que c'est à la fois des films très intéressants au niveau des thématiques, mais c'est des films qui sont aussi parfois des trucs un peu bancals, parce que du coup, tu sens que le mec, il met parfois trop ou pas assez de lui-même. Et du coup, là, pour moi, c'est le problème de Walter Mitty. Je pense qu'il y a un moment où Ben Stiller, il savait plus trop où s'arrêter sur certaines séquences. Et voilà. Enfin, là, je dis ça, c'est vraiment pour pas spoiler le film. Hein, mais enfin voilà. Donc le film, il est bien. Hein, il y a pas de problème. Moi, je l'aime vraiment bien, ce petit film. Mais c'est clairement pas ce que j'attendais, c'est-à-dire le meilleur film de Ben Stiller. Moi, par exemple, je préfère largement me refaire Un tonnerre sous les tropiques, voire même un Zoolander. Ouais, c'est quand même très différent de l'original. L'original, c'est une espèce d'intrigue. De pastiche de film noir où le mec rencontrait justement la femme de sa vie qui voyait dans ses délires, et puis tout d'un coup il était pris dans une intrigue de film noir et il se demandait un petit peu si c'était la réalité ou s'il était en délire, et puis en même temps il vivait sa propre vie. Enfin, ça n'allait pas du tout dans... Tu vois, c'est un truc que j'aurais bien aimé voir dans la version de Stiller, c'est-à-dire un rapport entre réalité et fantasme. Et finalement, hormis les absences de Stiller, que tu devines de toute façon, parce que tu sais bien, le mec il bosse dans un journal super ennuyeux, et d'un coup il lui arrive un truc extraordinaire, et du coup tu dis ah bah là c'est une absence, et ça se confirme 2 minutes plus tard. Et le truc, c'est que en effet du coup j'ai bien l'impression que le film original joue un peu sur est-ce que le spectateur se demande si c'est vrai ou pas, et du coup il y a pas ça dans le film de Ben Stiller, quoi. C'est tu sais globalement ce que tu regardes, quoi. Ok, bon, on va s'arrêter là-dessus et on va maintenant passer à Du sang et des larmes de Peter Berg, et c'est ce qui va nous en parler. We're good, right? We're solid. God's looking out for us. Everybody, let's move! Let's really move! You can die for your country. I'm gonna live for mine. Alors, Du sang et des larmes, à la manière de la chute du Faucon Noir, ça retrace une défaite de Navy Seals. Donc ici, ce sera en Afghanistan contre les jeunes petits barbus. Alors, le film est clairement divisé en deux parties. La première partie, qu'on appellera un peu chiante, à savoir une présence... C'est la meilleure partie. C'est la meilleure partie. Bah, la présentation des quatre persos. Franchement, là, pendant une demi-heure, ça nous présente... les persos, la mission, on n'en a rien à foutre, clairement. Après, dès que le contact est fait avec les talibans, ça part dans un survival prenant pendant facilement bien 40 minutes. On est vraiment au cœur, en plein milieu. Et j'ai bien aimé le traitement des talibans, en fait, c'est qu'ils sont là comme une menace, on les voit jamais. Il n'y a jamais de scène avec eux, il n'y a jamais de dialogue, c'est juste ils sont là en... presque de manière fantomatique. On sait qu'ils sont là, ils tirent, mais on les voit pas plus que ça. Le film se concentre essentiellement donc sur les quatre Navy Seals qui vont s'en prendre plein la gueule, de manière peut-être un petit peu abusée, parce que moi j'ai jamais vu des chutes aussi impressionnantes que dans ce film, avec des gars qui se relèvent au bout d'un moment. Encore, il y en aurait une dans le film de scène, mais là franchement ça tourne au running gag. Il y a genre 5 chutes d'affilée, quoi. Les gars ils tombent des dénivelés de 100 mètres. Ça passe, en fait, parce que du coup je pense que tout est lié avec le générique de début où on te montre un peu que les mecs ils en ont bavé. Tu sais, c'est comme les mecs, ils se font transpercer par, genre, ils se reçoivent des balles dans le pied et tout, les mecs. Oui, non mais attends, d'accord. Attends, il y a une limite entre se recevoir une balle dans le pied
Ah oui, et se prendre un gros coup de caillou dans la tête, oui, mais on est d'accord. Là, franchement, ils ont une fracture, il fait quoi? Il peut pas se relever, même si c'est mais, ouais, mais voilà, mais les mecs, bah clairement, c'est les mecs, c'est des prédateurs, quoi. C'est Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. C'était, enfin, surtout dans la manière dont c'est filmé, quoi. Ça, tu vois toute la chute, tu les vois, ils se prennent des arbres, des cailloux, des machins. Ils arrivent en bas, ils sont là, ouais, bon, bah, ils ont chié à se relever, mais tranquille, ils repartent au combat. Ça fait peut-être un petit poil exagéré dans le traitement. Mais après, sinon, voilà, pendant 40 minutes, c'est vraiment intense. Berg filme ça vraiment super bien, quoi. C'est jamais shaky cam, enfin, c'est super lisible, on est vraiment au cœur de l'action. Le rapport de force, c'est pas exagéré, enfin, parce que dans ce genre de film, c'était quoi, dans La Chute du Faucon Noir, c'était bien exagéré. Genre, il fallait 4000 Somaliens pour buter 2 pilotes d'hélicoptère. Là, ça fait quand même, t'as vraiment l'impression qu'ils en chient, quoi. Ils s'en prennent plein la gueule et la dernière partie dans le village, là, pour un peu caractériser, pour dire qu'il y a des gentils habitants en Afghanistan, c'est un peu facile. Et la scène d'action, je l'ai trouvée assez mauvaise. Moi, je suis mitigé, j'en attendais beaucoup du film, mais en fait, à part 40 grosses minutes que j'ai bien aimées, le reste, voilà, c'est plutôt bof. Et les images d'archives en ouverture et en fermeture du film, c'est une faute de goût, mais il y avait vraiment pas besoin de ça pour, je sais pas, pour rendre le, on va dire que le propos est noble en soi, ça rend hommage à ces gars qui sont. Ouais, après, ça reste du Peter Berg, hein, c'est pas mais non, mais, subtil. Non, mais c'est pas qu'ils sont des subtils. C'est qui a décidé de mettre des images d'archives sérieux, montrer lui, il est mort comme ci, lui, il est mort comme ça. C'est bon. Ah oui, par contre, ah oui, tu veux dire le, oh putain, ah ouais, ce générique, quoi. Oh, comment c'est long en plus. C'est faute de goût ultime, quoi. Ça sert à rien. Bah, c'est là que en fait, moi, c'est un problème avec le film, c'est que, au début, j'avais vraiment peur que ce soit un truc ultra patriotique et tout, donc moi, j'avoue que je suis plutôt surpris agréablement du film, parce qu'il arrive quand même à être jouissif en termes d'action et tout. Ça arrive à être une vraie fiction, enfin, ça arrive à être autre chose que, qu'un spot de pub pour l'armée, en fait. C'est que moi, j'avais vraiment peur de ça. Et sérieux, en fait, quand t'as le générique de début, déjà, j'ai trouvé ça d'un lourdingue. Même si ça avait le mérite de poser ce qu'étaient capables de faire les persos qu'on te met dans le film, quoi. Mais alors par contre, ouais, ce truc de générique de fin, c'est là tu te demandes ce que le mec il a voulu dire, quoi. On te fout le tiré d'une histoire vraie au début, mais on n'a pas besoin de te mettre ça à la fin dans ce cas. Enfin, sérieux, c'est limite on dit. Enfin, le mec maintenant il a tel enfant, il a ouais, c'est tout. Ça, tiens, on te montre une photo. Putain, c'est chiant. Alors que pendant tout le film, c'est jamais patriotique pendant tout le film, c'est juste des gars qui essayent de survivre. Ah oui, voilà. Et comme tu dis, par rapport aux talibans, en fait, on te foutrait n'importe quel ennemi. Ça pourrait être des zombies, même dans le film. Hein. Ouais, voilà. Enfin, mais clairement, c'est pas les talibans qui sont au centre du film. Hein. On s'en fout d'ailleurs. Je sais pas, en fait, le traitement, il est finalement bâtard. Il n'a pas voulu faire un film patriotique, ça allait pas, mais l'intro et le générique. Mais de toute façon, Peter Brack, c'est jamais un mec qui a été intéressé par le patriotisme. C'est un mec qui a été intéressé. Non, mais alors. C'est un mec qui a été intéressé par la communauté. Ça veut dire que on ressent toujours un peu l'aspect communautaire dans ces films, que ce soit dans Friday Night Lights, où c'est une équipe de foot, où c'est Very Bad Thing, où c'est justement le cercle d'amis. Pareil pour le royaume, c'est toujours on ne présente pas des entités uniques, on présente des gens qui existent dans un groupe, et c'est à mon avis, c'est ce qui intéresse beaucoup Peter Berg. Dans Hancock aussi, dans Hancock, si tu pars de ce principe-là, Will Smith. Il a mis une baleine. Oui, non, mais Will Smith, non, mais tu rigoles, mais Will Smith, non, mais après, j'ai pas particulièrement Hancock, je l'ai pas vu depuis sa sortie ciné, mais si je me souviens bien, Will Smith quand même dépend pas mal des personnages de Theron et puis de Batman aussi. Enfin bref, dans la majorité de ses films, t'as pas dit tous ses films, mais il y a toujours cet aspect communautaire, quoi, qu'on retrouve. Et je pense que c'est vraiment ce qui intéresse Peter Berg à la base. Après. Et c'est lui qui a des... Il y a un générique de fin, il en est responsable, et le générique de fin, il a chié. Il a chié, mais moi, je l'ai trouvé à chier, mais on comprend ce qu'il a voulu faire, il a voulu rendre hommage au personnage, ça va, c'est pas la première fois, même dans Argo, il y a ça, c'est pas ce principe-là. Non, mais voilà, il y a bien pire, hein. C'est pas... Il y a pire, ça va, au pire, t'arrêtes le film, et puis voilà, c'est tout. Moi, justement, je suis au contraire de toi, j'ai préféré la première partie, parce que je trouve qu'elle est assez intéressante, parce que justement, tu t'attends à avoir des prototypes, des critiques des conneries que tu peux lire sur le net, des prototypes de mecs, des soldats Navy, là, qui sont là, dans leurs conneries, Amérique, soldats, nanana, tu es taliban. Alors, c'est pas du tout ça, quoi. On te présente déjà des êtres humains, des gens on te présente déjà des relations familiales, d'où ils viennent, on voit que c'est des humains, quoi, avant tout. C'est pas des mecs bodybuildés, oncle Sam, et tout ça, quoi. C'est pas du tout le propos du film. Et moi, justement, pendant une demi-heure, j'étais super surpris de ce traitement-là, et justement, c'est la partie que j'ai préférée, parce que moi, j'étais attaché à ces mecs.
Mais à partir du moment où ça rentre en mission, j'ai trouvé ça un petit peu trop mécanique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, pendant 40 minutes, tu vois toujours la même chose, quoi. Je veux dire, il y a pas, et même le début du film est d'une connerie sans nom, quoi. J'ai pas compris pourquoi on te montre la fin du film au début. C'est d'une débilité sans nom. Et le film s'appelle Lone Survivor et on te montre Mark Wahlberg au début du film qui survit. Ah oui, voilà, bravo, c'est bravo. En même temps, c'est tiré d'un fait réel. Arrête, franchement, tu penses que 90% des gens, franchement, se sont renseignés sur le fait réel. Non, ils arrivent devant une affiche de cinéma, ils voient Mark Wahlberg et puis les autres, ils font oh, on va aller voir ça, chérie, c'est tout. Ils s'en foutent de l'histoire. Il y a que nous qui allons voir ça. Enfin, nous, pas nous, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Et je veux dire, c'est complètement con. Moi, ça tient complètement le suspense pendant tout le film. Tu sais déjà qui va y passer et qui va mourir. Et du coup, pendant 40 minutes, tu vois les mecs avec leur sniper, t'attends juste une chose, c'est pas qu'ils meurent parce que t'es attaché à ces personnages, mais voilà, il n'y a pas de suspense, c'est rien. Et moi, du coup, je regardais les scènes d'action, j'étais pas du tout impliqué parce que je savais déjà qui allait crever, qui allait vivre, quoi. Donc du coup, ça m'intéressait pas, quoi. Et en fait, faut dire que inconsciemment, tu t'attaches pas, du coup, aux autres persos parce que tu sais très bien que tu les reverras pas à la fin du film. Donc, Non, quand même, pareil, le perso de Tyler Kitsch, j'ai trouvé vachement bien. Hein. Bah, le problème, c'est que Tyler Kitsch et Mark Wahlberg sont un peu mal castés, je trouve. Parce que juste, je pense que ils auraient dû intervertir leur rôle déjà dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Le personnage de Mark Wahlberg est censé être plus âgé, alors que Tyler Kitsch, tu vois qu'il est plus jeune, quoi. J'ai pas trop compris le choix des rôles. Oui, c'est vrai que c'est le supérieur. Il fait super jeune par rapport à Wahlberg. Du mal quand tu lui donnes des ordres. Surtout que dans l'histoire vraie, les personnages, le supérieur est déjà plus âgé, j'ai pas compris, quoi. Alors que Mark Wahlberg, tu vois qu'il a 40 ans et tu vois que Taylor Kitsch, il a 30 ans, quoi. J'ai fait, ok. Tu te demandes même si au dernier moment, ils ont pas voulu foutre Taylor Kitsch en lead, justement, parce que le mec a foiré tous ses derniers projets hollywoodiens et qu'au dernier moment, ils ont fait, bon, bah, Peter Berg, je sais que Taylor Kitsch est ton pote, mais bon, on va peut-être pas le foutre en lead parce que vu ces derniers films qu'on fait des flops, bah, on va le foutre enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Tu te demandes même, enfin j'ai pas suivi la conception du film, mais tu te demandes même si c'est pas voulu, quoi. Voilà, quoi, j'ai des scènes d'action, j'avoue que j'étais assez déçu, quoi. Il y a un aspect mécanique qui, voilà, le film propose pas grand chose, quoi. La chute du Faucon Noir, au moins ça il y avait un aspect stratégique, tu vois, que là, ouais, la nature, c'est meilleur la chute du Faucon Noir sans. Là, il n'y a pas de stratégie, c'est vraiment. Ah, là, c'est survie à tout prix. Mais survivre pendant 40 minutes avec leur sniper, et je sais pas, ça prouve pas. Tu vois, tu te plains que justement, il n'y a pas plus d'action que 40 minutes. Moi, justement, j'aurais voulu voir moins d'action, genre 20 minutes, est-ce que ça se concentre plus sur les personnages, tu vois. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Ouais, j'aurais préféré aussi. Je l'aime bien, la première demi-heure, en perso. Ouais, non, mais moi, franchement. J'ai pas dit que c'était nul, la première demi-heure, c'est juste que. Je trouve que c'est une caractérisation un peu plus basique, enfin tu t'y attends. Ouais, mais ça fonctionne. Ça, enfin... Ouais, ça fonctionne, mais c'est pas, tu rentres dans le film, enfin tu regardes ça, c'est pas chiant, mais jamais, enfin moi je me suis pas dit c'est génial, trop bien, non, je regardais ça comme ça, en buvant mon coca, je dirais, bon, c'est quand ça commence à tirer des balles, non. Ah oui, on n'a pas parlé aussi d'Eric Bana, putain, mais ça m'a fait... Eric Bana, genre le perso sacrifié par excellence. Ah non, mais en plus, l'acteur est génial, il a un putain... Ah ouais, mais Eric Bana, il est toujours bon, hein, mais... Moi, j'ai retenu qu'il avait des tatanes dans le film, c'est tout ce que j'ai retenu. C'est vrai, en plus. Avec des tatanes, il avait du charisme. C'est ça. Et il a une scène où il est en tatane, tu regardes, tu vois que c'est tatane, mais il pète la classe. Parce qu'après, tu te dis, oh, moi j'ai cru un instant que tu sais qu'ils allaient genre, je connaissais pas le fait d'hiver, je me dis, ils vont débarquer, ils vont aller buter des talibans et tout, vu qu'ils sont dans l'hélico. Bah non, hein, cruel des illusions hein, quand tu vois ce qui se passe. Non, c'est vrai. T'es un peu déçu quand ça se passe, quand il arrive ce qui arrive. Tu t'attendais pas spécialement à ça, et du coup tu dis, bon, tant pis, on va rester avec Marcel Déat. Là, j'imagine Scalp dépité dans la salle de cinéma. Oh bah merde alors! Bah ouais. J'aurais pas ma grosse scène d'action! Non, mais surtout, c'est complètement con parce qu'ils ont voulu suivre au poil de cul près le fait divers, mais quand tu lis ce qui s'est réellement passé, Eric Bana il est pas mort dans l'opération, il est mort 5 ou 6 ans après dans une autre opération. Allez, un spoil gratuit! Non, mais de toute façon, bon, ouais, attends, c'est pas comme si. C'est pas comme si ça intéressait des gens ce genre de film. Ah, mais attends, je pense que vu que t'es dans le spoil, il avait passé tatane hein, quand il meurt. C'est vrai. Il y a Emily Rangers. C'est un détail très intéressant. Ah bah, c'est, faut le dire. Ah, si on n'a pas parlé aussi de la musique d'Explosion in the Sky qui est fabuleux, je trouve. Ah bon, il y a de la musique? Oui, bah, elle est vachement bien, la musique. Il y a une espèce de musique nostalgique, c'est ceux qui avaient fait la musique de. Il y a la chanson à la fin, elle est juste horrible. Non, mais on parle d'Explosion in the Sky qui a fait aussi la soundtrack de toute la série Friday Night Fight qui est la meilleure série du monde. Voilà, c'est avec ce soit dit. Ok, je vois pourquoi tu me lances. J'ai pas entendu la musique, j'ai entendu. Oh, fais gaffe, il y a de la musique. Non, mais c'est pas la musique dans les scènes d'action, c'est la musique dans les scènes un peu plus intimistes. Les scènes chiantes, tu sais où tu buvais ton coca.
Ah, c'est au début du film alors. Oui, et puis à la fin, et puis un peu partout. À la fin, quand il y a le petit taliban qui amène un couteau. Oui, si tu veux. Et un canard. Putain, cette scène. Et en scène du film. C'est un canard en fait. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Et on va maintenant passer à notre bilan 2013 qui sera fait sous la forme d'un top 15. Donc pour ceux qui débarquent, on a donc pris le top 15 ou 20 en fonction des tops de chacun qu'on a un peu mixé, retravaillé et voilà, on a fait un top global. On va commencer donc par notre numéro 15 et c'est une égalité, c'est Happiness Therapy de David O. Russell et les Croods. Sérieux, les Croods? Il y en a qui ont voté pour les Croods. Ouais, il y a qui à part moi qui a mis les Croods? Je crois qu'il y a Jack, si tu dis pas de conneries. Jack, non, jamais... je l'ai pas vu, moi, les Croods. Ah, qui c'est qui a mis les Croods? C'est qui le bouge, quoi? Ah, c'est qui bouge, d'accord. Ouais, c'est qui le bouge. Ouais, il est pas là, du coup, on l'enlève. Ouais, il sera pas là pour le défendre avec moi, donc. Déjà, donc, on perd toute crédibilité directe d'entrée. C'est bien, merci. Les Croods, le film le plus surcoté de l'année en animation. Non, mais n'importe quoi. Non, mais même pas, c'est même pas question d'être surcoté. Ils sont trois, mais les Croods. Les gars, deux sont dans cette émission. Parce que le meilleur film d'animation de l'année est quand même pas dans le top 15, c'est Le Congrès d'Harry Fullman. C'est pas un film d'animation. Non, c'est pas un film d'animation, mais c'est quand même un film qui a des parties d'animation et qui encule avec les Croods. Voilà. Donc les Croods, je crois qu'on n'en parle pas, non? Non, par contre, Happiness Therapy, si on peut revenir dessus, enfin, je trouve que. Bah, je trouve ça en fait beaucoup hein, par rapport à Cine. Je comprends pas qu'il soit. Hein. C'est une jolie petite comédie romantique et tout, mais quand je vois par exemple les notes qui se tapent et tout, enfin je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur ce film. Happiness Therapy, je peux comprendre qu'on pense qu'on en fait beaucoup trop, mais moi c'est un film qui me touche, franchement. Moi, je peux comprendre après. Enfin, ouais, je cache pas qu'il est numéro 4 de mon top, mais c'est franchement un film. Moi je l'ai vu 3 fois cette année, je ne m'en lasse pas, je me sens bien devant ce film. C'est vraiment un film. Mais c'est un vrai feel good movie quoi. Enfin, Je vois pas pourquoi je devrais bouder mon plaisir sous son aspect qui est un peu. Tu vois, mais avec ton explication à toi, non, mais après c'est quand. Par exemple, putain, et l'Oscar à Jennifer Lawrence, j'en rigole encore. Oui, bon, l'Oscar est peut-être un peu abusé, mais sa prestation, elle est bien, quoi. Je voulais dire, quand tu vois ce qu'elle est. Super. Il y avait qui en face qui méritait. Il y avait juste Naomi Watts dans The Impossible qui. Mais Naomi Watts qui fait son 9e numéro de femme. Non, franchement, non, ça va, je préfère encore. Vu qu'on réécoute l'émission où on parlait de The Impossible, je pense pas que tu disais ça. Ah bon, je sais pas. Il me saute de souvenir, t'aimais bien sa prestation, justement. C'est un politicien, Logan. Ouais, exactement. Je dis en fonction de... Non, mais Happiness Therapy, je crois qu'on en fait pas trop. Le film, tout le monde l'a déjà oublié. Hein. Non, moi, je l'ai pas oublié. Il y en a plein qui... Seul à pas l'avoir oublié. Non, mais personne n'en parle. Logan, il y a que toi qui en parle. Bah non, moi, il est rentré dans mon top 100. J'adore ce film et voilà. Après, j'avoue que je dis ça. Enfin, je trouve que tous les films de David O. Russell, généralement, on en fait trop. Donc, après... Enfin, moi, je dis ça, même Fighter, voilà, on en fait trop. Là, pareil, American Hustle, ça va faire pareil. Moi, j'aime bien. Ouais, on va passer maintenant au numéro 14, et c'est Riddick. Oh, sérieux? Sérieux. Allez, il se calme, c'est grave. Non, mais en fait, d'un seul coup, j'ai plus envie d'en dire du bien. Tu fous ma gueule ou pas? Tu l'as mis 7ème de ton top ou 8ème? Je sais. T'es pas le seul, d'ailleurs. J'ai des noms. Je sais, ouais, c'est sympa. Riddick, il a le mérite de rester dans la lignée de ce qui se faisait avant, et puis de reprendre les bonnes idées du premier avec un autre script, et il est putain de badass, quoi. Vin Diesel, c'est son personnage, quoi. Il est né pour faire ce personnage, c'est tout. Ah, mais je veux bien, au bout d'une demi-heure, c'est nul ce film, faut dire ce qu'il y a. Non, c'est pas nul. Il y a de la punchline, il y a des scènes d'action bien torchées. C'est ridicule en Riddick. Hein. Putain, non, mais c'est interdit, non, mais, non, mais déjà, il y a la punchline de l'année, j'ai déjà dit, pour ce film. Non, je me rappelle de la punchline, t'as pas besoin de la dire, non. Like your nipples. Okay. Non, ça veut Attends, oui, excuse-moi, tu parles pas anglais. Traduis, Logan, t'es bilingue. je parle pas anglais, je parle mieux anglais que toi. Eat me baby one more time. Ah, okay. Là encore, le film, on en fait trop, quoi. Enfin, on fait trop, on n'est pas beaucoup. Riddick, c'est bien, la première demi-heure, elle est chier, on est d'accord. La partie sur les mercenaires, à la limite, bon, je peux comprendre ce qu'en disait Logan à l'époque où on l'avait chroniqué, et ce qu'il en disait, je peux comprendre les défauts dont il parle. Mais alors, pas que la dernière partie, celle qui est censée refaire Pitch Black,
c'est de la merde. Non, mais je suis désolé, mais Riddick, il enterre des films comme Die Hard ou G.I. Joe qui ont des budgets monstrueux. Ouais, après, il reste là. Mais non, mais... des blockbusters non, ouais. d'action alors qu'il y a deux portions d'action de 2000. T'as vu avec quoi tu compares c'est... Attends, bah oui, mais je compare avec des films qui ont des gros budgets. Moi, je vais faire des comparaisons. Non, 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 là, Riddick, c'est pas un gros budget, garçon. Non, 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 je parle de G.I. Joe 2 ou Die Hard 5. Ouais, en gros, des films avec Bruce Willis, ça compète, quoi. Non, mais en même temps, là, tu ne parles pas non plus de la même qualité de réalisation, quoi. C'est, Ah ben voilà, donc il y a bien des qualités de réalisation dans Riddick. Oui, il y a bien des qualités de réalisation, mais c'est ce que je disais. La première demi-heure, elle est géniale. La partie avec les mercenaires, elle est sympa, mais après, voilà, quoi. C'est un film, je trouve, qui... c'est un peu bâtard, en fait. La façon dont il se pose dans la chronologie des deux précédents, quoi. C'est, Non, mais surtout que le mec a attendu 10 ans pour faire une suite de son film, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un reboot de Pitch Black, on est payé. Après, ça, il y a les trucs financiers, je pense, derrière, hein, parce que... Mais non, mais ça, franchement, les films financiers, c'est n'importe quoi. Le mec, il lui faut un film pour conclure sa trilogie. Là, son putain de film, pourquoi il le fait pas? C'est juste pour se faire du fric sur le dos de Vin Diesel, parce qu'il est devenu Bunkable avec sa putain de saga Fast and Furious, et puis voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça, mais ridicule dans son, enfin, je sais pas, ça me gonfle. Oh, t'es content, tu l'as placé. Non, non, mais en plus, c'était même pas voulu. Je m'appelle pas Diana, je fais pas des blagues périmées. Ouais, elle est très bien, ma blague, je te dis. Ouais, t'es fait 15 trop, quand même. Mais non, arrête, elles sont géniales, mes blagues. Ouais, bon, allez, on va rester encore avec Vin Diesel pour le numéro 13. Oh, non, numéro non, 13. Si, non, si, non. Non, mais moi aussi, j'ai envie de dire. Ah, mais s'il te plaît, les gars, tu vas pas toujours dire non à chaque film, numéro 1. Bah, jusqu'à ce qu'il y ait un bon film, non. Si. Le Claude Atlas ne sera jamais premier, c'est bon. On pourra dire non jusqu'à la fin. On fout qu'il soit pas premier. Attends, Fast and Furious, je l'ai même pas mis dans le classement. Ah mais ouais, le parrain du film d'action. Le parrain du film d'action, exactement. Oh là là. Putain, mais alors celle-là, je la ressortirai pour 2014, mais sans problème. Scalp, tu veux alors, bah, dire, voilà. Voilà. Mais non, je l'ai pas, moi, je l'ai pas mis dans mon top. Parle du film maintenant. Maintenant que tu l'as revu. Parce qu'il faut dire que tu as changé ta note. Bah, il y a une scène avec un tank. C'est les mêmes arguments que la dernière fois, quoi. Mais ça dure 2 heures. Donc Papy Scalp ne peut plus. Il peut. Non, mais la deuxième fois, tu t'emmerdes un peu, en fait. Ah, c'est faut le dire. Mais il reste le tank, hein. Ah, le tank, il est bien. On peut pas dire qu'il est pas bien. Le tank joue très bien. Mais le mec. Ah, le tank. Non, mais voilà, je rappelle quand même les propos de Scalp qui nous vendait le film d'action de la décennie, le truc qu'on n'avait pas vu depuis des années, un vrai retour aux sources des années 80-90 et tout. Enfin, et là, voilà, on a ça. 7 sur 10, il y a un tank. Voilà. Arrête, c'est pas ça. Non, mais tu vois, c'est pas le souci des films, faut jamais les voir deux fois. Ah non, mais. Ah bah, t'es mal pour l'impasse. Et bah, encore un film où on en a fait trop. Voilà, exactement. Et qui c'est qui l'a mis dans son top? Je l'ai même pas mis dans mon top. Si, tu l'as mis. Moi, je l'ai pas mis dans mon top. Kid Bush l'a sûrement fait, parce qu'il me semble qu'il continue à aimer le film. Mais... Il y a Jack qui l'a mis, je crois, dans... Enfin, après, voilà, les gars, faut pas déconner non plus, le film est quand même... Ah non, mais après, le film... Après, alors moi, j'ai quand même mis la moyenne, hein, parce que j'avoue que le truc, il est divertissant et tout. Après, le truc, c'est que c'est pas ma cam, on est d'accord. Hein, c'est, donc je peux comprendre que des gens prennent leur panard dessus. Non, moi, ce qui m'avait saoulé un peu quand le film était sorti, c'est que voilà, on vendait ça comme les trucs d'action ultime, qu'on n'avait pas vu ça depuis des années et tout. Ça me faisait bien rigoler, quoi. C'est bah maintenant, où est-ce que ça donne avec Escape? Donc je comprends très bien, comme Riddick, qu'on prenne un plaisir coupable devant, même pas coupable d'ailleurs, parce que enfin, je peux comprendre qu'on n'ait pas honte de ça. Je pense qu'avec ce début de top, on a perdu 95%. Ah ouais, la carrière. Restez un peu. Justement, non, c'est pas le début du top, c'est la fin du top. Oui, au point. Bah, allez, numéro 12, c'est Yuxia. Ah, bah, Escape, non, tu veux pas parler du film? Non, bah, c'est mortel. Il y a Donnie Yen. Non, mais pour... Oh, c'est... On il y aurait Donnie Yen et un tank, ça aurait été mieux quand même. Putain, Donnie Yen qui se paye contre un tank, mais alors on avait le chef-d'œuvre de la décennie, mais... Non, mais imagine, il aurait attrapé le tank par le canon. Le à toute épreuve du Hugh Zeppelin. Non, mais carrément, c'était un autre niveau. Non, mais vous en avez bien parlé, c'est... Moi, j'en avais pas parlé, parce que je l'avais pas vu à l'époque. Enfin, moi, du coup, je l'ai découvert. Ah, je sais plus qui en avait parlé. Je crois toi, du coup, qu'il bouge, sûrement. Mais du coup, moi, je l'avais pas vu à sa sortie DVD. Je l'ai découvert cet été, et c'est vraiment putain de bien comme film. Alors déjà, le truc, c'est que déjà, par rapport à Donnie Yen, hein, parce que moi, clairement, c'est un acteur que... Bah, c'est pas que je l'aime pas, mais le mec... C'est même pas une question de charisme, c'est que le mec il a une tronche d'huître pendant la totalité de ses films. Oh non, alors, dans ses bonnes soirs, c'est la classe, mais le mec c'est un mannequin, quoi. Je voulais te laisser parler, j'avais... Un peu non, mais attends, mais laisse-moi parler, parce que après j'ai du bien à dire dessus, c'est que justement, Wuxia,
contrairement par exemple à Ip Man, où Xias, c'est un film où j'ai l'impression que Donnie Yen, il a enfin compris qu'il est là pour faire l'acteur, et pas juste de la démo martiale. Et donc là, le truc, ce qui est bien avec Wuxia, c'est qu'à la fois, il fait de la démo martiale et de l'acteur. Et du coup, enfin, là, vraiment, pour moi, c'est un rôle où il est vraiment bien dedans. Et après, bon, le film, voilà, quoi, il déchire, que ce soit en termes de mise en scène et tout. Enfin, le genre, le combat dans la grange, c'est clairement du gros morceau. C'est de toutes les petites idées, genre, enfin, le film, quand tu le regardes, t'as l'impression de voir les experts en Chine, quoi. C'est vraiment bien comme film. En plus, Takeshi Kanishiro, il est dedans aussi. Tu le vends super bien, les experts en Chine. Mais toutes ces petites idées de mise en scène comme quoi c'est lié le kung-fu avec l'idée de genre si tu tapes exactement ce point-là, ça touche tel nerf et du coup ça immobilise telle partie du corps. Enfin, c'est des trucs, ça rajoute vachement un côté vachement ludique en fait dans la mise en scène. Enfin, et notamment toute la séquence où Kaneshiro il revoit le combat du début avec Donnie Yen. Enfin, il le revoit au ralenti avec des arrêts sur image et tout, et il analyse tout plan par plan. Enfin, c'est vachement bien. Ok. Numéro 11, et je suis bien content de le voir à cette place, c'est Gravity. Il est pas dans le top 10, chez. Putain, le film de la décennie. C'est le film du siècle, celui qui va relancer le cinéma. Merci. Comme ça, il n'y a pas besoin de relancer le cinéma. Mais c'est une attraction futuroscope, ce film. Faut arrêter. On dirait un truc de Space Mountain. Dénonce mes petits camarades, c'est Allegas, Killbush et... Tiens, je crois qu'il y a... Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire contre trois pauvres aigris comme ça, qui savent pas voir la révolution technologique qu'il y a derrière Gravity? Ça fait un peu secte quand même. Voilà, franchement, ton discours. Attends, qu'on soit bien clair. Le film, déjà, il y a pas à chier, c'est une révolution technologique. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu des CGI aussi. Allez, gars. Dans 50 ans, quand la technique aura rejoint celle de Gravity. Oui, mais attends, est-ce qu'il restera? Mais là, on est en train de faire le top 2013. On ne fait pas le top 2013. Oui, mais je suis désolé. Un film, il doit être sur la continuité de Gravity. C'est ce que j'allais dire, Logan. C'est que outre l'aspect technologique sur lequel le film a été vendu et revendu. Donc, je trouve ça d'ailleurs dommage que du coup il y ait des gens qui se résument que à ça, parce que le film n'est pas que ça justement. Attends, si tu veux, super bien dans les thèmes de son réalisateur. Parce que finalement, son thème, c'est moi je vais faire un survival pour les nuls. Non, mais avec des symboliques thème, même. Son thème, c'est tout simplement un personnage désespéré qui finalement retrouve l'espoir. T'as exactement avec la même chose avec le perso de Clive Owen dans Les Fils de l'Homme, avec le perso de Maribel Perdue dans Itouma Matambien. Ça reste quand même un super film. Enfin, je sais plus quand on avait traité le film au Bombcast, il me semble que je l'avais vu qu'une seule fois du coup, et je l'ai revu deux fois depuis, et c'est un film qui remarche super bien, enfin moi en ce qui me concerne, hein, c'est un film qui marche super bien à la revision. Ce que je disais à l'époque quand on l'avait traité, c'est que je disais qu'il y avait un manque d'émotion, je rejoignais un peu Killbush par rapport à ça, et la deuxième fois, aux surprises, l'émotion ça a super bien marché, ça a été décuplé quoi. C'est là où je ressentais un manque à la première vision, à la deuxième vision, ça tout a été comblé quoi, et je me suis vraiment retrouvé devant un idéal de cinéma. Ah, c'est pour toi, c'est un idéal de cinéma. Ah bah clairement, enfin moi avec ça et Cloud Atlas, moi c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant cette année. Hein. D'accord. Bah putain, le cinéma de demain, il est beau avec des jeunes comme toi. C'est un idéal de cinéma dans le sens où tu... Non mais moi, mon idéal de cinéma est émergé par une expérience. Il est mort, l'idéal de cinéma. Il est mort, le cinéma. C'est exactement ce que je veux voir au cinéma, c'est que le cinéma, ça peut être du spectaculaire, ça peut être une machine à rêve, sans pour autant que ça soit con derrière, quoi, comme la plupart des blockbusters d'aujourd'hui. Ah, parce que c'est pas con. Gravity, ça n'a aucun propos, ça n'a rien. Dans 50 ans, je te mets un pari que Gravity ce sera oublié. Je suis pas en train de dire que c'est un film parfait ou un chef-d'œuvre ultime ou quoi que ce soit. C'est que, ok, peut-être dans 50 ans, ce sera oublié. Mais putain, mais tous les films qu'on traite de chef-d'œuvre, même ça se trouve là, je sais pas quel film on a en top 1, enfin même si je me doute un peu. Et celui-là aussi, dans 50 ans, il sera oublié. Il y a plein de films. Non, parce que Gravity plus qu'au d'autres, parce que eux, ça se base
uniquement sur la technologie et la performance, c'est tout. Uniquement sur la technologie, je suis pas d'accord. À ça 95%, ça se base sur la technologie. Ça se base sur une interaction entre technologie et le pro, et ce que ça raconte. Et c'est là où justement, c'est pas un truc comme Avatar où on te l'a vendu uniquement sur de la 3D et tout, où du coup, enfin moi personnellement, Avatar, je peux très bien regarder en 2D qu'en 3D. Pour moi, ça reste le même film. Mais Gravity, en effet, en termes de purement technologique, c'est pas juste du show off quoi. C'est vraiment là pour aider à raconter l'histoire, parce que l'histoire, mine de rien, bah, essaie de la raconter. C'est pas du show off. Attends, c'était pas du show off. Il fait tout pour t'en mettre plein la gueule. Bah, attends, je sais pas comment t'appelles ça. C'est un film de montagne russe. C'est un roller coaster, le truc. Et évidemment que ça en fout plein. Ah, bah ça, c'est sûr que narrativement, t'as toujours des prétextes pour te faire avancer l'histoire. Mais genre le coup de la station qui part en vrille, quoi. Moi, tout ça pour dire que, moi, Gravity, la question que je me suis posée en sortant de la salle, c'est est-ce que ce film-là, est-ce que j'ai envie de le revoir à la maison? Parce que honnêtement, je trouvais que l'expérience, elle était agréable. Pour une fois qu'un film en 3D me cassait pas les couilles, que vraiment, je me suis senti entre guillemets immergé. Je me dis, est-ce qu'à la maison ça va fonctionner autant, ça va fonctionner pareil? C'est surtout ça le problème que j'ai avec Gravity. Et voilà, le côté un peu démo pour te dire, voilà, je sais super bien utiliser la 3D, je sais vous immerger dans une histoire, mais en fin de compte, est-ce qu'il y a quelque chose à raconter derrière? Moi, pour l'instant, j'ai pas été. Sur les mêmes idées des expériences de cinéma. En fait, c'est comme moi, par exemple, un truc. Je sais plus si je l'avais dit ça à l'époque de sa sortie, mais un truc comme Hunter the Void, par exemple. C'est un truc. J'ai beau l'avoir en Blu-ray et l'avoir revu depuis sa sortie ciné. Enfin, le truc, c'est que je sais pertinemment que jamais je retrouverai les sensations que j'avais eues à sa sortie ciné, parce que c'était un truc tellement. Tellement joué sur l'immersion en salle que du coup évidemment que je j'aurais jamais ça. Après je te comprends tout à fait dans le sens où en effet Gravity c'est clairement un truc fait pour le cinéma. Moi ça m'empêchera pas de le revoir en Blu-ray, parce que mine de rien outre l'immersion c'est un film que j'adore. Mais voilà, après je comprends tout à fait que certains aient pas envie de le revoir autre part qu'en salle. Oui, mais un grand film, voilà, par exemple je comparais pour moi la référence du film spatial qui est 2001 l'Odyssée de l'espace. Pour moi c'est un film que tu peux revoir autant chez toi qu'en salle, tu vois. C'est un film je peux le revoir dans n'importe quelle condition, je serais touché de la même façon. Ce qui, pour l'instant, moi après j'ai pas revu Gravity depuis, mais je me suis posé cette question, parce que c'est vraiment, faut vraiment quand même le voir dans des conditions techniques quand même adéquates, alors que le Kubrick t'as pas besoin de 3D, de matos spécifiques pour le revoir, t'as juste besoin d'un écran et à la limite d'un bon son, c'est tout. Alors que voilà, Gravity, il est un petit peu quelque part handicapé par sa démesure technologique de ce point de vue-là. Après, je dis pas que le film est mauvais. Objectivement, je trouve que le film est plutôt réussi. Mais c'est encore la limite pour moi. On est encore dans une forme un peu technocrate du cinéma qui me dérange. Ok, allez, on va s'arrêter là-dessus. On a fait un long débat sur Gravity. Si vous voulez le réécouter, c'est en podcast numéro 10, Man of Steel. Ah, il est si haut celui-là? Bah, apparemment, ouais. Enfin, il est bien, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est clairement dans le top des blockbusters qu'on a eu cette année. Il n'y a pas de problème, mais on va le voir si haut quand même. Il y a Kill Bush, il y a Skull qui l'a mis, et je sais plus. Man of Steel, il réussit en fait un truc où ça avait jamais été réussi, c'est-à-dire rendre, enfin vraiment le potentiel visuel de Superman qui rend bien à l'écran, quoi. Et c'est vrai que ce soit la version Donner ou la version Singer, ça faisait un peu peine à voir quand même. Sinon, si on veut voir Superman sauver des chats, on peut toujours regarder le Donner, pas de souci. Le truc de Man of Steel, c'est que en soi, ouais, il n'y a pas de souci, c'est une introduction qui réussit et tout. Là où du coup, le plus dur reste à faire, c'est vraiment continuer dans la réussite par rapport à ce qui va suivre, quoi. C'est là tout ce qui s'enclenche par rapport à la Justice League et tout. Et rendre Superman bien à l'écran, pour moi, c'est moins compliqué qu'un perso genre comme Green Lantern qui à tous les coups va être rebooté et tout. Faut vraiment voir ce que ça va donner, mais c'est quand même difficile quand tu vois le dernier plan de Man of Steel où tu vois enfin ce qui faisait défaut au personnage de Superman, c'était le personnage de Clark Kent. C'est genre je mets mes lunettes, personne ne me reconnaît. Voilà, là déjà tu dis la suite ça va être quand même assez galère. Et déjà rien que l'annonce de Batman dans le prochain Superman et tout, déjà rien que le Superman qu'on nous a montré, qui est vraiment l'idée même du personnage invincible et capable de tout détruire et tout, face à Batman. Enfin le truc c'est que autant ça marche dans dans les BD, dans les dessins animés de la Justice League et tout, mais en film, c'est rien de moins sûr. Tant qu'à Snyder, je m'inquiète pas trop. Bah, allez, on passe au numéro 9, et c'est Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Ah.
Enfin, moi, ce que je reprocherais plus au film, mais le truc, c'est que c'est totalement dans un acte d'intention, c'est son côté hyper froid, en fait. Mais le truc, c'est que ça va totalement avec le personnage de Chastain. Mais sinon, ouais, enfin, l'assaut final, ça reste quand même un gros morceau de mise en scène. Hein. C'est assez impressionnant. Non, mais Logan, t'as pas aimé le film, toi? Donc, Zero Dark Thirty, ouais, je suis plus que mitigé. Moi, j'aime bien tout. Enfin, j'ai déjà fait la revue à l'époque, je l'ai pas revu entre temps, mais j'aime bien toute la partie investigation, mais j'ai vraiment du mal avec le début et la fin du film qui m'intéresse beaucoup moins, où ça essaye de se poser sur une action donnée. Genre le début, la torture pendant une demi-heure pour t'essayer de t'immerger là-dedans, et puis la fin qui était aussi de t'immerger à travers les yeux des Navy. Ouais, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je préfère largement la partie investigation qui est pas trop sans rappeler Zodiac. Là, je vois des personnages, voilà, je vois une histoire qui se dessine devant moi, mais voilà, j'ai essayé de le revoir. Franchement, je me suis arrêté au bout d'une demi-heure, ça m'a complet. J'ai même pas envie de redonner une chance au film, en fait. Numéro 8, Snowpiercer. C'est la preuve, encore une fois, que Bong Joon-ho, c'est juste l'un des meilleurs du cinéma. Donc voilà, pour le numéro 7, on a un égalité, donc on va commencer avec le premier numéro 7, c'est Pain and Gain de Michael Bay. Ouais, ah, c'est bien ça. Ah, le film préféré d'Allegas. T'aimes pas les gros muscles, les gars? On repart sur les mêmes trucs du début du top, c'est que le film en soi, il est bien, il y a pas de problème. Enfin, j'ai bien rigolé et tout devant le truc. Putain, et quand j'ai vu l'avalanche de 10 sur 10, ou quand je vois que sur certains sites, le film, genre, il est dans le top 5, est-ce qu'on a vu le même film? Ah, c'est une comédie qui est drôle du début à la fin. Bah, tu vois, pour un truc de Logan, c'est encore un film, tu vois, dans 50 ans, ce sera oublié. Oui. Oh, l'argument, là, pouf, on est cassé. Numéro 7, le premier, celui-là, je l'ai mis, je l'aime d'amour. Oh là là. Est-ce que tu veux qu'on te l'explique, Allegas? Alors non, mais du coup, maintenant, il y a Jet qui va pouvoir m'aider, maintenant. Ah vas-y. Bah ouais. Non, mais attendez, on va pas faire un break. Ouais, non, mais franchement, attendez, Cartel, faut arrêter. Les mecs, ils sont crus dans un Shakespeare, quoi, pour parler. Oh là là. Oh, tu vas mourir, t'as fait. Mais où c'est bien? Mais où c'est bien? Franchement, les gars, c'est pas du tout crédible. C'est ridicule. Mais qu'est-ce qui est ridicule? Mais les dialogues, c'est non, c'est pas parce que toi tu parles comme un chien et que tout le monde parle comme ça. Non, mais c'est vrai, non, quoi. Enfin, genre, pourquoi dans Cartel? Enfin, j'aimerais bien ça qu'on... Pourquoi c'est... Non, mais... C'est pas... Les barons de la drogue parlent comme s'ils étaient... Pourquoi mais c'est putain, forcément... Mais ça, c'est l'argument zéro du film, putain. Non, mais pourquoi... Non, mais... Alors, Logan... Pourquoi c'est forcément pertinent dans Cartel que les gens qu'on voit qui... Enfin, voilà, on sait bien qu'il y a des cartels de drogue dans la vraie vie et tout, mais du coup, qu'est-ce qui est pertinent de pas faire parler normalement des gens qui devraient parler normalement? C'est quoi le... Mais c'est le style du film, c'est tout, putain. Mais vous enculez des mouches, là, les enfants, vous n'êtes pas le film. Non, c'est le style de film, mais que McCarthy, il sait pas écrire des dialogues, c'est tout. C'est un mec, on devrait juste l'adapter et demander à un scénariste de reviser un peu sa copie. Pour moi, c'est le seul reproche que je fais à Ridley Scott, parce que visuellement, je trouve que le film, il est nickel, il est vachement intéressant, mais au niveau du scénario, il aurait dû demander à quelqu'un de réviser un peu la copie et de se dire, il faut quand même raconter un peu quelque chose et pas juste se branler sur des dialogues pendant 2 heures, parce que c'est exactement... Faire des dialogues un peu pompeux, c'est changer le parti pris, les préjugés des gens qui pensent que les gangsters, c'est juste des cons de base. Ouais, mais alors dans ce cas, le truc, c'est qu'en France, on fait plein de chefs-d'œuvre, du coup, parce qu'un truc comme Doute aussi, c'est un truc, c'est un avec des dialogues hyper pompeux. Non, mais attends, tu veux qu'on parle de... Non, parce que tu parles de dialogues pompeux, on peut parler de Matrix pendant que tu y es, si tu veux. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a un propos philosophique. Il y a un propos. T'as le droit, donc on a le droit dans Matrix. Non, et surtout, les mecs, ils déblatèrent pas un dialogue comme s'ils récitaient Shakespeare, alors que là, dans Montel, c'est un bon. Tu peux mettre de la philosophie dans un film sur la drogue, mais t'es pas obligé de faire parler tes gens comme s'ils avaient bac plus 6. Si tout le monde parle comme ça, du coup, il faut plus faire attention à la portée, à la teneur des dialogues. Justement, c'est pour les gens plus écoutants. Justement, c'est pour te dire, regardez mes dialogues comme ils sont intelligents, regardez. Le truc, c'est que je dis pas, vous avez le droit d'aimer le film et tout, mais en fait, enfin, et du coup, je pense que c'est le même cas pour Jed aussi. C'est que c'est tout simplement, on piche pas le truc, quoi. C'est McCarthy, il s'est dit, tiens, moi j'écris comme ça dans mes bouquins. Donc je vais faire exactement la même chose pour mon premier scénario de film. Et le mec, il s'est pas remis en question, il s'est pas dit, bah peut-être qu'au cinéma, ça va déstabiliser les gens si je fais ça. Si le film, il se reçoit autant de mauvaises critiques ou quoi que ce soit, et là, on parle même pas de moyenne IMDb ou quoi que ce soit, mais globalement, le film, il est assez mal reçu,
Mais du coup, faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est à cause de quoi? Bah, c'est clairement à cause du style de McCarthy. Non, mais attends, se poser les bonnes questions. Vous avez des goûts de merde, c'est tout. Oh là là, non, mais là, c'est vraiment n'importe quoi ce que tu racontes. Ça va être la fin. Je vais te dire un truc. Comme je le disais, si ça avait été réalisé par Nicolas Vigny-Greff, t'aurais dit que ça aurait été de la merde. C'est aussi ça. Clairement, clairement, ouais. Alors, sûrement que oui, mais c'est pas réel, donc je vous emmerde. Et voilà, et en tout cas, ça veut dire, là, en tout ça, je t'ai cassé, là, tu ne peux plus rien dire. T'es cassé, là. Non, mais c'est surtout complètement con comme phrase, ça aurait été réalisé par Red, ça aurait pas été le même film, c'est tout. Attends, parce que là, on parle vraiment pas du même style visuel, enfin, on parle pas du style visuel du film, mais du coup, tu fous le même script chez David Lynch, sans qu'il change quoi que ce soit, hein, mais chez David Lynch, chez Refn, chez Araki, chez n'importe qui. Là tout de suite, il y a plein. Enfin, là tout de suite, vous crachez dessus et. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est qu'à les gars, si tu craches sur McCarthy, qui se remet pas en question, alors que c'est le premier scénario qu'il écrit et que c'est sa première incursion dans le cinéma. Bah non, un scénario qu'il écrit. C'est pas vraiment sa première incursion dans le cinéma. Si, lui, en termes de scénariste, c'est la première fois qu'il scénarise quelque chose pour le cinéma. Du coup, le mec, il a 80 ans, il va pas se remettre en question. Le gars s'est bien rendu compte quand il a sûrement vu No Country for Old Men et La Route. Il a sûrement vu aussi que les dialogues, ils avaient été un petit peu changés, ou qu'il y a des trucs, qu'il y avait un truc qui s'était fait, un truc qui s'appelle généralement l'adaptation. Et c'est là, il a pas du tout pigé le truc, quoi. Parce que là, justement, il n'y a pas de travail d'adaptation, puisque c'est lui qui écrit l'histoire originale. Mais voilà, mais il a écrit comme s'il écrivait son bouquin. Mais c'est là le problème. Je dis pas que McCarthy écrive le truc. En soi, je suis pas contre, hein. Il a le droit d'écrire, et c'est comme tout le monde. Il fait son métier. Mais pourquoi Scott ou qui que ce soit a pas revu le truc? Allez, gars, j'ai une question très personnelle pour toi. Tu mets combien à Roméo et Juliette de Baz Luhrmann? Mais attends, on parle pas de la même chose. Attends, il y a une logique dans l'adaptation de Baz Luhrmann, dans le sens où il s'est dit, je vais foutre le truc dans un univers contemporain, mais je vais garder le texte original. Ben voilà, c'est exactement la même chose. Là, il n'y a pas de texte original. Mais si, c'est l'univers de McCarthy et c'est son travail. Il va pas changer son univers et son travail pour ta gueule. Si t'aimes pas, t'aimes pas, c'est ton problème. Non, mais attendez, mais là, non, c'est n'importe quoi, vos arguments, je suis désolé. C'est que vous attendiez tous à voir un No Country for Old Men. Voilà. Si tu veux aller voir un film des Cohen, va voir un film des Cohen. Mais là, t'as un film qui est écrit par McCarthy. Attends. Parler du marche funèbre. Franchement, j'ai vu beaucoup plus le film. Il est bien vendu, par contre. Me dis pas que le film il est bien vendu. Le film est vendu comme No Country for Old Men 10 quand même. Surtout limite comme un film d'action alors que t'as deux morts dans. Enfin, t'as deux. Viens pas me dire d'aller voir un Cohen alors que le film il est vendu comme ça. Sérieux. Mais tu peux apprécier le film sans, mais attendez, on a pas 14 ans, la promotion du film sans la bande annonce, non, mais oui. Oui, puis la promotion du film, en plus, c'est pas forcément le réalisateur qui est. Le truc, c'est que un film, maintenant, aujourd'hui, t'es obligé de le juger aussi un petit peu sur les attentes que t'as par rapport à la promotion, dans le sens où, de toute façon, maintenant, tu peux limite plus regarder un film sans que t'aies vu la bande annonce, sans que t'aies vu un poster, sans que t'aies vu un extrait du film sur YouTube, sans que t'aies vu quoi que ce soit. Donc évidemment, je fais ça aussi. Justement, c'est bien au cinéma d'être malmené et de pas avoir ces alors, d'être un peu étonné. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est que comprends aussi que moi, du coup, j'attendais un truc plus facile, j'attendais un truc peut-être plus libre d'accès. Et que je me retrouve face à un truc qui est totalement fermé, que en gros, si tu kiffes pas le style de McCarthy, tu peux pas aimer. Donc, j'aime pas le style de McCarthy, j'ai pas aimé. Il faut un compromis. C'est que là, justement, j'ai trouvé qu'il y avait trop de Cormac McCarthy et pas assez de Ridley Scott. Justement, Ridley Scott, la touche qu'il aurait dû apporter, c'est un peu plus de visuel et un peu, justement, baisser un peu la musique au niveau des dialogues et vraiment apporter un travail visuel. Là, j'ai trouvé que la patte de Ridley Scott, elle était quand même vachement limitée, quoi. Bon, après, je peux pas lui reprocher, d'avoir voulu respecter le travail de McCarthy, parce qu'on sait ce qui est arrivé, la mort de son frère, ça a quand même pas mal influé, je pense, aussi sur les partis pris de McCarthy. Je pense qu'il a quand même aimé le côté funèbre de la prose de McCarthy, mais malgré tout, moi je trouve que ça marche pas. Il y a un gros écart entre le fond et la forme, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas, à mon sens.
Après, comme je dis, je dis pas que le film est une merde. Le film il est intéressant, mais il décolle pas. Pour moi, ça va pas plus loin que le simple film, on va dire le simple essai, quoi, pour Scott. Mais j'aimerais bien justement qu'il continue un peu là-dessus par la suite, qu'il essaie des projets un peu plus risqués et pas faire que du gros blockbuster. Parce que là, je trouve que il a, pour moi, à mon sens, Scott, il a tout à y gagner, quoi, en continuant sur ce genre de film. Mais c'est juste qu'il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin et qu'il s'implique un peu plus, quoi. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On a déjà parlé assez du film. Numéro 6, le dernier pub avant la fin du monde, d'Edgar Wright. Ah, c'est bien de voir aussi celui-là. Ah, c'est bon, ça. Non, c'est une blague. Meilleure comédie de l'année. On est d'accord. Non, c'est pas une game quand même. Pour une fois qu'on a un film en commun avec Ali. Putain, ouais, j'avoue, ouais. Je suis content. Je l'avais pas vu quand on m'avait parlé de ce film, la mission. C'est plus ou moins drôle par moment. Alors moi, on m'avait vendu la meilleure scène d'action de l'univers de la galaxie de tous les temps. Non, alors voilà, Non. J'aime bien quand tu sors tout. Non, bah, tu fous de ma gueule. On t'a dit qu'il y avait des scènes d'action qui étaient bien torchées, ce qui est vrai. Et moi, personnellement, j'ai dit que c'était la scène d'action la plus étonnante que j'avais vue de l'année. Et c'est vrai. C'est vachement étonnant, hein. Putain. Bah oui. Non, encore. Excuse-moi, mais j'ai jamais vu d'autres films avec un gars qui se bat en essayant de boire sa bière en même temps. J'ai jamais vu ça. Excuse-moi. Excuse-moi, tu vois, tu vas au vidéoclub, ça n'existe plus, mais tu y vas et tu vois des films de Jackie Chan et puis tu verras. Non mais moi je parle de la scène d'action où ils sont à 5 en train de se fighter en faux plan séquence, elle est géniale cette scène, faut arrêter. Faut être aveugle pour pas voir que cette scène est bien réalisée. Pascal fait aveugle. Mais j'ai pas dit que c'était mal réalisé, mais t'es l'autre qui tout de suite c'est un truc de génie, putain, mais je sais les gars, tu es jeune, tu n'as vu aucun film de Jackie Chan, c'est pas grave. Donc la scène en elle-même elle est pas spécialement mauvaise, c'est correct. Il faut savoir que donc, c'est chorégraphié par les mêmes chorégraphes qui bossent à Hong Kong, donc ça vient de là aussi. Wright, c'est pas un mauvais réalisateur, loin de là. Ça, ce passage du film, voilà, c'est bien. Mais alors, la dernière demi-heure, vas-y, c'est qui a écrit ça? C'est un gamin de 5 ans? Putain, le monologue à la fin avec les extraterrestres, mais t'as envie de te suicider tellement que c'est mongol. Tu te dis, putain, mais... Bah, c'est pas le meilleur passage du film, mais tu comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un anti-climax comique. Non, mais attends, bien sûr que tu comprends ce qu'ils ont voulu faire. Sauf que ça dure 3 plombes, tu te fais chier, tu regardes ta montre, et après, t'as encore 5 minutes. Alors, ça apparemment, c'est un gros problème sur les films, ouais, que je lis un peu partout. Il y a pas mal de gens qui reprochent justement tout ce gros dialogue final, et perso, je suis vraiment pas gêné, quoi. C'est un truc, je le trouve fascinant de bout en bout. Ouais. Hein. Enfin, moi, clairement, pour moi, c'est le meilleur film d'Edgar Wright, c'est le meilleur film de sa trilogie. Enfin, Clairement, moi je préfère ça à Scott Pilgrim et tout, donc après je sais que par contre Logan sera pas d'accord avec moi parce qu'il préfère Scott Pilgrim. Mais en fait, ouais, le souci c'est que le film, je le trouve tellement bâtard parce que Logan avait dit que c'était un film sur le passage à l'âge adulte. Alors, toute la partie humour, moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas trop mal, c'est réussi, mais alors toute cette partie avec faut accepter son passé pour passer à l'âge adulte, j'ai trouvé ça balourd, mais d'une façon... Mais c'est jamais lourd, c'est par petites touches pour donner c'est petites touches, sauf que c'est enterré par le long dialogue final qui t'assène tout ça à coups de marteau. Ouais, non, justement, le dialogue final, il porte pas sur ça, enfin... Non, mais c'est... Sur l'humanité en général. Moi, j'ai trouvé qu'il revenait un peu à la recette, justement, de Shaun of the Dead, c'est-à-dire qu'il faisait un vrai film de SF, un vrai film d'invasion. Le premier, voilà, Shaun of the Dead, c'était un film de zombies. Autre chose, il est un peu, à mon sens, plus basique, où c'était vraiment une parodie de film d'action que je pense que n'importe qui d'autre aurait pu faire. Alors que là, c'est à la fois un hommage au Body Snatchers, parce que c'est clairement une nouvelle relecture des Body Snatchers, et en même temps, c'est un vrai film personnel d'Edgar Wright, qui a vraiment plusieurs niveaux de lecture qui se superposent, ce qui n'était pas justement le cas dans Hot Fuzz, et c'est pour ça que je préfère le dernier pub, parce qu'il a vraiment, il a nouveau retrouvé cette ambition qu'il avait, un peu perdue dans le deuxième film. Moi, c'est tout le postulat science-fiction du film qui pose problème, qui est sans intérêt, T'as un problème avec la SF, toi, en ce moment. C'est de la merde, la SF, en soi. Ben, n'importe quoi, faut arrêter. Le mec, il se sert justement de la SF pour parler d'un fait tout bête, c'est quand il disait que quand il a quitté son village et qu'il est revenu une dizaine d'années plus tard, il a l'impression d'être comme un étranger. Il a voulu un peu reproduire ce truc-là et finalement utiliser le truc des Body Snatchers pour reproduire cette sensation qu'il avait quand il est revenu chez lui. Et je trouve que ça fonctionne vachement bien parce que les gars, quand ils reviennent dans leur village, il n'y a plus personne qui les reconnaît, et ils se rendent compte que finalement le monde il a avancé sans eux, quoi. Chacun a fait sa petite vie de son côté et ils doivent se démerder maintenant avec leur expérience, et ils doivent
en gros se serrer les coudes et se démerder. Et en plus, le film a un handicap monstre en la personne d'un acteur absolument abominable qu'on va sûrement retrouver dans un film un peu plus loin. Non mais Martin Freeman, c'est pas possible. Il est un peu en retrait. Il est excellent, Martin Freeman. Il suffit aussi de le voir dans la série Sherlock. Il est très bien. Non mais je m'en fous de la série Sherlock. Je te parle de H2G2. Et il est très bien dans Le Hobbit et il est très bien aussi dans Le Dernier Peuple avant la fin du monde. À la rigueur, tu vois, trouver le film sympa, machin, trouver ça drôle, pourquoi pas. Mais putain, genre, c'est le film de l'année pour certains. Mais là, tu montes la réputation du film. Là, c'est n'importe quoi. Tu m'attends, il est cinquième là. Vous l'avez mis super haut dans vos tops. On a dit que c'était le film de l'année, sinon il serait premier à réfléchir. Non, mais attends, vous êtes trois à l'avoir mis. Ben oui, mais on l'a pas mis premier. Non, vous l'avez pas mis. Donc c'est pas le film de l'année. Voilà. Sur les mots. Patata, cassé. Putain, il y a quand même une scène mortelle dans le film, c'est quand Nick Frost il s'appelle Sam Woo, c'est vachement bien. C'est de loin la meilleure scène du film. Mais bon, ça peut pas te parler à toi, les gars, vu que tu sais même pas qui est Sam Woo, c'est pas grave. Mais cette scène est bien. Tu sais que je m'en branle, en fait. On s'en branle pas de Sam Woo, il est mortel. C'est le flic de Hong Kong, il saura qui c'est. Sam Woo, oui. Le mec, il pèse 150 kilos, le mec, il est tout élastique. Bah, allez, on va passer au numéro 5, et c'est Stoker de Park Chan-wook. Normal, c'est bien. Normal, ouais, c'est génial, Stoker. Ouais, c'est bien, c'est sympathique. Il est bien, je suis juste étonné de le voir carrément dans les 5 premiers, en fait. Mais oui, c'est super bien. Enfin, moi, je l'ai revu en Blu-ray récemment, je l'ai même revu à la hausse. Et je trouve que Park Chan-wook, il fait un travail exemplaire, là, à ce niveau-là. C'est pour une production américaine et tout, il avait tout à y perdre, un peu comme Kim Ji-woon, mais le mec, il s'adapte, mais super bien, que ce soit, que soit visuellement ou thématiquement. Ouais, c'est pas le... Non, mais c'est pas le même projet. Il y en a un qui était véhicule pour une star, donc il a quand même, c'était le genre, le scénario à avoir, quoi. Moi, je me souviens des premières réactions lorsque ça parlait de Stoker, c'est oui, non, mais... le script était écrit par la star de Price and Break, et ensuite c'était oui, ça va être naze. Je crois d'ailleurs qu'il a été blacklisté, le scénario. Ouais, il a été blacklisté, le scénario. C'était un des meilleurs scénarios qui tout le monde s'arrachait. C'était genre avec Argo, je sais pas quoi. Tu sais que ça veut rien dire. Un Prisoners, c'était aussi un script blacklisté. C'est vrai? Putain, mais. Ah d'accord, ah ouais, donc c'est de la merde leur blacklist en fait. Voilà. D'accord. Le mec retourne sa veste en 2 secondes. Ouais, mais attends, ouais, mais en fait, en gros, je crois que le scénario est resté dans les tiroirs pendant super super longtemps, quoi, avant que... Il se décide enfin à le produire, quoi. Ça veut surtout dire ça, je pense. Ouais, et puis en fait, c'est généralement des tops qui sont faits de façon annuelle par des grands magazines, généralement, qui classent les plus gros scripts blacklistés et qui aimeraient bien voir un jour en film. Et du coup, vu qu'il y a des réactions après de lecteurs qui disent que ouais, ça a l'air pas trop bien de voir un truc comme ça, c'est généralement comme ça que les projets sont lancés un peu. Hein. Et du coup, Stoker, tu le comprends, hein, de toute façon, quand tu le vois, pourquoi ça a été blacklisté. Hein. Enfin, c'est cette façon de traiter la violence et le sexe. De façon à peu près égale et exactement dans le même axe, c'est assez étonnant à voir, en effet. Et du coup, ouais, un autre truc que je voulais dire aussi, c'est un truc qu'on en avait parlé à la sortie ciné, et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas trop tweeté, et en le revoyant, ça m'a un peu sauté aux yeux. C'est vraiment, je crois que c'est Scalp qui en avait parlé, c'est toute la thématique du vampire, en fait, qui est sous-jacente, en fait, dans Stoker, et en fait, c'est un truc, c'est bah oui, du coup, en le revoyant, c'est sûr, il y a ça, quoi. Ah, parce que tu n'avais pas vu. Non, c'est un truc que j'avais pas trop tilté, en fait, la première vision. Et en plus, après, quand vous en avez parlé, je me suis dit, ah, ils exagèrent un petit peu et tout. Mais en fait, non, c'est vraiment, du coup, je me sentais bien con à la seconde vision. Je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai pas pu voir ça? Le truc par rapport au verre de vin et tout, la façon de filmer Matthew Good, c'est explicite, hein. Ah ouais, pourtant, ouais, mais. Non, j'ai juste été... J'étais trop dans le film pour le voir, là, pour le coup. Bon, on va passer au numéro 4, et c'est Cloud Atlas des Vaches Proscrits. Ah, elle est même pas dans le top 3, quoi. Abusé. Ouais, les Wachowski. Un idéal de cinéma. Il est pas dans le top 3. Tu sais quoi, tu sais ce qu'on va faire, les gars? On va rien dire. C'est vrai? Vous allez rien dire? On va rien dire. 25 minutes et on coupera au montage. C'est vraiment le film somme de Love des Wachowski. C'est juste ultime. Voilà. Très bien. Numéro 3, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. C'est vrai? Ouais. Oui, parce c'est là, vrai. Je vais pouvoir en parler parce que du coup, j'étais pas là la dernière mission. Enfin, moi aussi, j'étais pas là parce que moi, je l'ai trouvé bien le film, il n'y a pas de souci.
mais je trouve vraiment que la dernière demi-heure, ça fonctionne carrément moins bien par rapport à tout ce qui a précédé. À la dernière demi-heure, c'est-à-dire, enfin, c'est... À partir de la scène du sauvetage sur le bateau. D'accord. À partir de là, je trouvais ça, pas pénible, mais carrément un cran en dessous de tout ce qui avait précédé. En fait, tout ce qu'il fait pour se dépêtrer du FBI et tout ça, J'en avais rien à foutre. Il y a la conclusion qui rattrape le truc, mais franchement, pendant une demi-heure, je sors un peu du film, c'est parce que c'est donc la même schéma narratif que dans Les Affranchis et Casino, en fait. En gros, dans Les Affranchis, la dernière demi-heure, elle est mortelle, quoi. T'es à fond avec Ray Liotta. Là, je m'en foutais concrètement que DiCaprio il s'en sort ou pas, ou que, enfin, j'en avais rien à foutre. Vraiment. Pendant 2h30, j'ai bien rigolé avec lui, mais alors, qu'il s'en sorte ou pas, ça me passait carrément au-dessus de la tête. Moi, je voulais rigoler encore. T'aurais voulu que ça soit le sexe et drogue pendant tout le film, en fait. Ouais, non, mais je voulais pas. La fin du film, ça, c'est comme Caligula, ça termine en partout géant, que... Ah là, tu vois. Avec une cinquantaine de filles, tu vois, vraiment un truc de malade, quoi. Non, mais je sais pas. C'est comme ça qu'il aurait dû finir le film Marty. Non, mais après, pour le Loup de Wall Street, moi personnellement, alors c'est un de ceux que j'aime le moins dans la collaboration Scorsese-DiCaprio, du coup ça veut presque rien dire, parce que de toute façon c'est que des grands films ce qu'ils ont fait, donc voilà, ça, c'est quand même un putain de film. Moi ce que j'aime bien vraiment dans Loup de Wall Street, c'est qu'en fait je trouve que c'est un peu la suite inavouée de Casino, en fait, dans le sens où Casino ça se finit quand t'as la mafia qui a plus aucun pouvoir et tout, c'est comme il dit, je crois que c'est De Niro qui utilise le terme, enfin il dit que c'est vraiment les cols blancs qui prennent le pouvoir de Las Vegas. Et du coup, là, t'as un peu ce truc, en fait, c'est que le Loup de Wall Street, c'est une histoire de col blanc, c'est n'importe quel mec, il peut mettre un costard, il a fait quelques études par rapport à la bourse, et puis voilà, il peut devenir le maître du monde, parce que le mec, il sait juste entuber les gens au téléphone, et que du coup, ça y est, il se fait une montagne de fric, et en gros, c'est juste ça, en fait, on suit vraiment, finalement, les histoires d'un... juste d'un loser, en fait, tu sais très bien que c'est un gros loser, même s'il a de la coke ou des nanas et tout, enfin, c'est le mec, ça reste un gars juste pathétique, mais en fait, du coup, c'est vraiment ça qui est super bien, et Scorsese, j'étais pas pourtant sûr et tout, mais au début, quand on avait annoncé le film comme une comédie, et quand j'avais vu la première bande, je m'étais dit, oula, parce que Scorsese, jusque-là, il avait jamais vraiment fait de pure comédie comme ça, quoi, enfin, jusqu'au boutiste, et en fait, ça marche super bien, et c'est limite nécessaire, en fait, au propos du film. Ça aurait été limite trop malsain, en fait, si ça avait été sérieusement à la façon des Affranchis ou de Casino. Et puis il y a une grosse scène culte, quoi, enfin la scène de la prise des comprimés qui arrive en retard, enfin c'est elle est magique, cette scène. Je sais pas combien de temps ça dure, 15-20 minutes, mais je rigolais du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, quand tu vois l'accident, tu dis le mec il rentre chez lui, sa voiture elle a rien du tout, et puis en fait ouais, la scène et la voiture. Ouais, puis même quand il descend les marches et que tu vois sa vision et tout, et que tu vois l'énorme escalier alors qu'il y a 4 marches, enfin, ouais, t'as le plan, c'est génial de voir un... juste la distance qu'il a à faire entre les escaliers et la bagnole. Ouais, il y a juste 5 mètres à faire, quoi, et c'est galère pour lui, quoi. C'est génial de voir Scorsese faire un truc comme ça. C'est le gars, il a rien perdu de son potentiel. C'est vraiment du film in your face, quoi. Tu regardes chaque film qu'il fait, c'est toujours un genre différent. D'abord, il fait le film historique, après il fait du biopic, après il fait du film de gangster, après il essaie quelque chose de plus psychologique, un film pour enfants, et paf, tout de suite après le film pour enfants, il te fait le gros film trash que tu voyais pas venir, le Loup de Wall Street, quoi. Je pourrais peut-être reprocher au Loup de Wall Street, c'est que, tu vois, c'est un film que je sais que je le reverrai, hein, pour le fun et tout. Après, pour le propos, je trouve ça moins pertinent qu'un truc comme Les Affranchis ou Casino, qui sont vraiment une réflexion de leur époque. Le Loup de Wall Street, je le trouve, peut-être il arrive un petit peu trop tard, en fait, par rapport à ce qu'il a à dire. C'est pas faux. Ça, je suis un peu. Je suis d'accord dans la redite. Par exemple, en 2008 ou 2009, le film il serait tombé au moment parfait, quoi. Par rapport à Wall Street et tout, là, le truc. Enfin, on est d'accord. Non, mais justement, le film devait être fait depuis longtemps, justement. C'est juste qu'à cause de la grève des scénaristes, ils ont pas pu. Mais il y a tant grand que le film il soit fait en 2008 ou en 2013. Non, non, mais enfin, le truc c'est que le film. Enfin, non, mais je pense il aurait. Il est, enfin, comment dire, Casino, le truc, c'est que c'était arrivé pile au bon moment. Idem pour Les Affranchis, enfin, c'était. Non, mais attends, quand t'as découvert Casino, qu'est-ce que tu t'en branles? Tu l'as pas découvert au cinéma pendant cette période-là? Non, je suis d'accord, mais non, mais ok, mais quand tu regardes un film, tu le prends aussi par rapport à l'époque où il est sorti, non? C'est pas un truc. Bah, bien sûr, ça changera quoi que tu saches qu'il a été fait en 2008 ou en 2013? Non, mais je comprends pas. Justement, il est en plus, il est d'autant plus fort parce que là, c'est la grosse crise économique mondiale et.
Ah ben clairement, mais du coup, enfin, mais je pense que le film il aurait été encore plus pertinent s'il est arrivé un peu plus tôt encore quand même. Mais après, d'accord. Du coup, alors je disais que c'était pas un film sur Wall Street, mais c'est peut-être pas un film entièrement sur Wall Street. Par contre, c'est un film qui parle comment des incompétents peuvent contrôler le monde. Et le truc, c'est que c'est finalement ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Enfin, Wall Street devient vraiment le centre du monde, et c'est exactement ça ce qui se passe. Wall Street se casse la gueule, le monde se casse la gueule. Enfin, le monde civilisé se casse la gueule. Et on passe au numéro 2, et c'est Mud de Jeff Nichols. Scalp pas un de Mud, je t'en ai pas parlé à l'époque, tu l'as découvert entre temps. Ouais, je l'ai vu au mois de mai, je l'ai pas vu depuis, mais Alors, s'il le revoyait, voilà. Non, allez, va te faire foutre. Non, parce qu'il y a des films en plus, t'as pas besoin de les revoir. Et on va maintenant passer au grand numéro 1 que tout le monde aura deviné, je pense, dans l'équipe, c'est Django Unchained de Tarantino. Django Unchained, je crois que de toute façon, tous on s'est rendu compte quand le film il est sorti, que le truc il est sorti dans les trois premières semaines de janvier. Je crois que dès ce moment-là, on s'est dit, putain, en fait, on le tient, ça y est, le film qui sera partout traité de film de l'année et tout. C'est juste con que Tarantino se limite à deux prochains films. Non, il changera d'avis. C'est juste souvent qu'il a essayé un peu de refaire Inglourious Bastard en moins. Ah, je sais pas, parce que je crois quand même le gars, il a conscience. Quand il voit par exemple un gars comme De Palma, qu'il est quelqu'un qui... Ah, qui mais attends, De Palma, c'est l'exemple... Et Argento, et... Enfin, voilà, des mecs qui... Contrairement à Scorsese ou Spielberg, c'est des gars qui savent pas vieillir dans leur cinéma. Non, mais je crois que Tarantino, et puis ça se confirme quand il le dit dans ses interviews, hein, mais je crois que c'est pas un gars qui se voit encore très vieux à réaliser des films et tout. Je pense que le mec pense pas mal aussi à la réputation qu'il va laisser derrière. Donc contrairement à un mec comme De Palma par exemple, il tient à rester le réalisateur acclamé partout. Et déjà quand tu le lis sur Boulevard de la Mort par exemple, je crois qu'il... Ah, c'est pas qu'il en a honte, mais il se rend bien compte que c'est son plus mauvais film, quoi. C'est, à juste titre, hein. Bah, à juste titre, ouais, mais au moins le gars s'en rend compte, quoi. Ouais, mais justement, ça, c'est le problème justement de ces réalisateurs-là, comme De Palma, comme Argento. En fait, comme beaucoup de réalisateurs un peu à consonance italo-américaine, c'est que ces gars-là, ils ont un petit peu trop conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils sont. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Argento, au bout d'un moment, quand il a commencé à comprendre qu'il était entre guillemets un génie, pareil, De Palma, c'est un peu la même chose. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à faire leurs plus mauvais films, quoi. Et puis, s'il faut que je cite un autre réalisateur, il y a Carpenter. Le gars, c'est pas comme s'il enchaînait des films tous les ans, et pourtant. Mais bon, Carpenter. Il a quand même fait 20 films, hein. Mais Carpenter, il est beaucoup plus modeste. Disons que lui, c'est un coup du sort qui l'a rendu un peu aigri, qui l'a rendu un peu plus amer. C'est encore autre chose. C'est pas un mec qui je pense, dans sa tête, il se considère pas comme un génie. Alors que De Palma, quand tu l'écoutes, c'est pas vraiment la modestie qui l'étouffe, quoi. Bah après, c'est pas les mêmes parcours. Enfin, il y a pas eu les mêmes récompenses, quoi que ce soit. Non, mais tu vois, on se comprend. Et pareil, Tarantino, le mec, il a parfaitement conscience. Quand il écrit des dialogues, il s'écoute, il s'entend. Ah bah, il doit se dire, comment c'est trop bien ce que j'écris. Enfin, voilà. Malheureusement, le problème de Django Unchained, c'est exactement ça. C'est que le film, à mon sens, il est trop linéaire pour que ces blagues de dialogue, elles fonctionnent. C'est que là, t'as un seul parcours. Avant, dans Inglourious Basterds, t'avais quelques mini-intrigues qui se rejoignaient et qui justifiaient, en gros, la grosse durée du film. Pareil pour Jackie Brown, pareil pour tous ces autres films. Là, t'as une seule histoire. Et le mec, il meuble à fond. Et en plus de ça, moi, je trouve le gros problème, c'est que depuis quelques temps, depuis en gros Inglourious Basterds, son côté je prends un genre voilà, le film de guerre, et en même temps je le mêle à des faits historiques, enfin à une période historique qui a vraiment existé, donc la Seconde Guerre mondiale et là l'esclavagisme, il le mêle à une forme de conscience politique, que je trouve vraiment très maladroit. Ce mec là il commence à entre guillemets avoir des propos T'as vraiment l'impression qu'il y a une conscience politique dans Django? Ah bah bien sûr, même si elle est involontaire. C'est évident. Faut pas. Tu te rends compte que le propos final finalement du film, c'est Django qui veut juste sauver sa femme quand il se sauve. En gros, il va sauver aucun autre black. Il en a rien à foutre des autres. Il les laisse dans leur merde. Ils s'en foutent. Est-ce que tu trouves que c'est un propos politique ça de dire? T'as l'impression qu'il dénonce vraiment l'esclavagisme ou quelque chose. Il manque juste un gars qui veut sauver sa femme et c'est tout. Après, le fait qu'il soit noir, c'est un ressort scénaristique, quoi. C'est voilà. Tout. Il s'en sert quand même de manière ultra douteuse, justement, pour utiliser la violence presque de manière, on vous a fait souffrir et donc voilà, quand on va se venger, c'est des trucs ultra violents. C'est vraiment, j'en fais qu'est-ce que ça devient? Il y a quoi de violent, Django? Ah bah, putain, il est vraiment, et par moments, je suis désolé, je le trouve super dérangeant, ce film.
Toi, enfin, voilà. C'est tout ça parce qu'il tue la bonne femme. Oh. Mais non, mais t'as vu, t'as le mec qui se fait bouffer les bras par un chien. D'abord, t'as la scène en hors champ, et après, le mec, ils te sont obligés de refaire la scène. Et là, cette fois-ci, tu vois vraiment le chien en train de bouffer le gars. Ou quand t'es gagné, tu traites tes balles. Non, et puis, non, attends, faut voir aussi quand est-ce que c'est ressorti, cette scène-là. Parce que, du coup, c'est Christoph Waltz qui repense à ça. Enfin, du coup, c'est un blanc qui remet en question les tortures faites au black. Je trouve justement alibi, parce que à part lui, il y a aucun personnage blanc entre guillemets positif dans le film. C'est ça qui est un peu aussi toi qui est un peu on va dire maladroit. Après je fais pas d'accusation sur Tarantino, mais le problème Jed va trouver des personnages positifs dans le sud de l'Amérique à cette époque. Non mais attends mec, tu vas me dire qu'à cette époque dans le sud ils étaient tous bisounours, ça, on aime les blacks, nos amis. Non, on risque d'avoir du coup le même débat dans 12 Years a Slave du coup. Non mais bien sûr, non mais là je suis désolé Jed, là je suis pas. Non mais là non, justement je suis pas du tout d'accord avec toi. Là. Justement pour faire limite de la violence gratuite. D'habitude je reproche jamais ça à Tarantino, mais là j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Il y a pas de violence gratuite. Elle est pas gratuite la violence. Elle est pas gratuite. Ah bah si, elle est super gratuite la violence. Je suis le premier à détester la violence gratuite quand c'est pas justifié. Vas-y. Mais alors là c'est pas du tout gratuit là. Ah moi c'est justement juste inverse. Après c'est too much dans ce qu'il en fait, le gunfight dans la baraque qui est super épique. C'est vrai qu'il balance des grosses gerbes de sang et c'était pas obligé. Mais c'est pas gratuit, c'est juste voilà, il a voulu faire. C'est pas les gerbes de sang qui me dérangent, c'est quand le mec il insiste longuement sur les gars qui sont au sol en train de hurler à la mort, quoi. C'est même pas, toi c'est vraiment même pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de, comme je dis, de vachement douteux. Tu sais pas si le gars il est persuadé que ce qu'il fait c'est fun, ou il se dit voilà, je veux qu'en gros que les noirs entre guillemets leur vengeance sur grand écran, tu vois. C'est vraiment ça. Et quand tu connais Tarantino, et quand tu connais plus ou moins ses connivences avec l'univers afro-américain, tu sais que le mec il est fan de cette culture. Et même dans ses interviews, c'est confirmé, le gars il avait clairement l'intention de régler entre guillemets ses comptes avec cette époque-là. C'est vraiment ça qui me dérange. Non mais Tarantino c'est toujours un mec qui a eu comme thème la vengeance. C'est pareil dans Inglourious Basterds, c'est pareil dans Kill Bill. C'est pareil dans toutes ces dernières heures. C'est un truc qu'il faut pas isoler à Django Unchained en disant c'est par rapport au noir, ça aucun rapport. Mais parce que là il joue avec un fait historique. C'est pas comme dans Kill Bill où tu peux pas le citer. Mais non, mais Inglourious c'est pareil. Inglourious c'est que c'est limité à une scène. C'est à la fin du film, voilà, quand t'as Eli Roth qui bute Hitler. Là effectivement il y a des gens déjà qui se plaignaient de ce truc-là, qui disaient qu'il y avait quelque chose d'un peu louche là-dedans. Bon, personnellement je l'avais pas ressenti parce que c'était une scène isolée dans 2h30 de film. Là le problème c'est que ça m'a fait ça au bout d'une heure. J'avais l'impression que chaque scène elle était justifiée, voilà, on va vous parler de l'esclavagisme et on va mettre des caisses dans la violence justement pour justifier on va faire souffrir les noirs bien pour que justement la violence derrière soit vachement justifiée. Et c'est là où je trouve que le film il est vachement glissant, tu vois, et qui m'a vraiment à mon sens empêché d'apprécier le film à sa juste valeur. Attends, les noirs ils souffrent à cette époque, c'est un fait, oui, hein, c'est pas le Club Med. Non mais bien sûr, mais je trouve que il se focalisait un peu trop sur la violence. Tu vois, c'est ça le problème. Ouais, je crois que t'extrapoles beaucoup, Jen. Ouais, je pense. Ouais, non, bah vous extrapolez aussi beaucoup sur Cartel. Hein. Voilà. Pim, paf, ouf. Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire voilà clairement mon ressenti, parce que j'avais pas eu vraiment l'occasion de dire exactement ce que je pensais de Django, mais là, maintenant, je le dis clairement. Après, je dis pas que c'est un mauvais film. Encore une fois, je trouve que cinématographiquement, il y a quand même beaucoup de qualité. Moi, j'adore la première heure. La deuxième heure, elle patauge encore. Je veux dire, il y a vraiment trop de dialogue. Et là, franchement, les 20 dernières minutes, pour moi, sont juste catastrophiques. C'est juste, je sais pas comment finir mon film, alors paf, je vais buter tout le casting. Voilà, c'est ça. C'est exactement le même coup qu'Inglourious Bastard, sauf que dans Inglourious Bastard, t'avais l'effet de surprise. Je trouvais ça limite marrant de finir, limite sur un gag. Et là, pour moi, les 20 dernières minutes, c'est un gag, quoi. Et sauf que ça fonctionne pas du tout. Comme s'il avait conscience, justement, du côté grave, un peu du côté lourd de sa violence, et qu'il essaie de détraumatiser ça, et justement, ça fonctionne pas du tout, quoi. Là, il a pas du tout maîtrisé, à mon sens, les ruptures de ton. Non, mais Jenny, il a bu un peu trop de vodka, c'est pas grave. Ah bah non, justement, là, je suis parfaitement. J'aurais jamais dit ça si j'avais été torché, justement. Donc voilà. On va parler un peu plus en profondeur de l'année 2013 avec quelques petites questions, et on va commencer donc par une question toute simple. C'est quel film vous estimez être un oubli dans le top 15 global qu'on a fait ? C'est Aligas qui va commencer. Alors, en ce qui me concerne, là, je vais pas citer un film qui est très haut dans mon top ou quoi que ce soit. C'est, en fait, ça a été une excellente surprise cette année, et je pense que, enfin, on l'a tous plus ou moins bien apprécié ici. Et du coup, c'est The Place Beyond the Pines. Direction France. Non, on l'a tous tout de ma gueule.
Bah, ouais, mais à part toi, à part toi, tout le monde l'a aimé, mais c'est comme d'habitude. Il est nul à chier ce film. Deux heures et demie. J'ai le droit de pouvoir parler d'un film sans que tu craches dessus, hein. Non, bah, choisis un autre film. Non, non. The Place Beyond the Pines, voilà, c'est pour moi un oubli. Diana. Non, franchement, voilà, Kitamura, c'est, pour moi, c'est, depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, je sais pas ce qui s'est passé, il a décidé de devenir bon. Et donc, Midnight Train m'avait déjà beaucoup plu. Là encore, il persévère dans le slasher. Et là, pour une fois, c'est un slasher qui est un petit peu plus intéressant que la moyenne. Parce que l'intérêt de ce film, c'est qu'en fait, le tueur dans le film, c'est le gentil. C'est-à-dire que le gars, on nous fait croire que c'est un pauvre gars normal, voilà, qui a rien fait à personne. Et en fait, il va se faire emmerder par une bande de voyous. Et sauf que ces voyous, ils savent pas qui ils ont affaire. Et le gars, en fait, c'est un gros psychopathe et il va les buter un par un. Et du coup, moi qui suis un blasé justement du slasher en général, là, ça m'a fait plaisir enfin de voir un slasher où j'étais content de voir les victimes se faire tuer, même si c'était de la manière la plus conne possible. Les slasher, on est toujours content de voir les victimes se faire tuer. Ouais, mais c'est comme dit, c'est un petit peu trop mécanique. Là, justement, je trouve que l'idée, voilà, de faire de Luke Evans, entre guillemets, le serial killer, bel serial killer, c'est-à-dire finalement des raisons de tuer les gars, tu vois, de tuer ses victimes, ça donne un côté vachement jouissif que j'avais pas ressenti depuis au moins depuis pas mal d'années, quoi. Et même Luke Evans, ce mec là il est génial, quoi. Depuis que je l'ai vu dans Fast and Furious 6, ce mec là je suis vraiment super accro, quoi. Il a vraiment un putain de physique, il est vachement crédible en tueur à gages, un tueur surarmé, surpréparé. T'as même un plan qui fait un peu référence à Apocalypse Now, quand il sort la tête de l'eau, tu te dis, ce mec-là, faut pas l'emmerder, quoi. Et c'est vraiment, vraiment super généreux, ça dure 1h20, c'est pas prise de tête, c'est super bien filmé. Et ouais, non, franchement, Kitamura, faut qu'il continue dans cette logique de série B aux États-Unis, parce qu'il y a vraiment moyen qu'il fasse des trucs vachement bien, parce qu'il voilà, il évite de trop se la raconter, il essaye vraiment de faire des trucs carrés, qui livrent la marchandise, quoi. Donc ouais, No One Lives, c'est pour moi la grosse surprise des TV, parce que voilà, je l'attendais pas venir, et ça mérite en simplement d'apparaître dans mon top. Alors moi, ça va peut-être en étonner certains, mais ça sera Metro Manila. Derrière ces aspects un peu misérabilistes, se cache un beau petit film qui a tendance à être oublié. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais touché par l'histoire, je trouve qu'il est bien raconté, c'est bien filmé, les acteurs se donnent à fond, alors que c'est des acteurs amateurs. Et... Scalp Police Lost, on en a parlé la dernière fois. C'est très succinct. Non, mais on a parlé dans la dernière émission. C'est vrai. Et Gravity en réussit, voilà. Et donc, pour moi, ce sera La Grande Bellezza de Sorrentino, qui est pour moi un grand film italien sur la mélancolie, sur l'errance. Enfin, moi, j'en avais déjà parlé. Pour moi, c'est, voilà, le film commence petit à petit à buzzer, va sûrement se retrouver aux Oscars et tout ça, mais c'est amplement mérité. C'est un grand film que, voilà, qui a pas vraiment marché en salle. Enfin, il n'a pas marché, il a fait quand même 100 000 entrées, mais voilà. Je pense qu'on commence à le découvrir petit à petit maintenant qu'il est disponible en DVD par d'autres moyens, et c'est un film, je pense, qui va rester dans les annales du cinéma italien à juste titre, et qui est porté par un Tony Servillo qui est grandiose. Enfin bref, c'est un film que j'aime beaucoup 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 et que je conseille. Voilà, maintenant on va passer à toute autre chose, on va parler du pire film de l'année, et c'est Allegas qui va commencer. Pire film de l'année, bah moi il n'y a pas à chercher très loin de toute façon, parce que autant je pourrais parler de Luc Besson, autant je pourrais parler de Room 237, autant il y a quand même la grosse merde de compétition, on en a parlé vite fait tout à l'heure, c'est le cinquième Die Hard. Donc ouais, du coup je renvoie quand même à l'émission où on en parlait, parce que déjà pour mon air dépité que je devais avoir dessus, mais aussi parce que l'émission était rigolote, il y avait Scalp qui descendait bien le film avec toutes ses incohérences. Enfin voilà, c'est vraiment grosse merdasse de compétition, c'est le film, y a aucune passion de la part de n'importe qui, que ce soit du réal qui fait n'importe quoi, que ce soit des acteurs qui en ont rien à foutre, et même le gars de la photo, il en a tellement rien à foutre, tellement déprimé que son film il est tout gris. Ok, on passe à Jed. Ah bah moi, sans hésiter, Flight, de Monsieur Robert Zemeckis. Oh, mais n'importe quoi. Alias Spy. T'as pas dû voir beaucoup de films au cinéma cette année. Ouais, j'avoue. Flight en dernier. Ah bah non. Ah non, mais attends, Flight, quand même. C'est quand même, ouais, attends, c'est une brochure pour la Croix Magazine. Tu vois ce film-là, t'as envie d'aller à l'église, t'as envie de prier. Non, l'alcool c'est pas bien, non, faut arrêter, quoi. Hey. Dans mes bras, ce genre de discours, ça devrait être interdit, quoi. Ouais, moi, il est dans mon top 10, celui-là. En même temps, Zemeckis, il remonte à quand son dernier film? Ça devait être Retour vers le futur 3, quoi. Donc, mais n'importe où. Ah bah si. Zemeckis, il a jamais fait de bons films. Mais TG. Jack.
Bon, moi, ça, je vais rejoindre les gars, hein, ça va être le Die Hard 5 ex aequo avec G.I. Joe Conspiration, qui sont tous les deux des grosses bouses innommables. Donc, bizarrement, Bruce Willis joue dans les deux. Alors, je pense qu'il doit y avoir un petit clin d'œil. Ah non, mais Bruce Willis, de toute façon, il suffit même de l'écouter en interview. Maintenant, tu sens que le gars, il n'a plus rien à foutre du cinéma, quoi. C'est... Autant, ouais. Autant quand il jouait dans Otage, par exemple, tu sentais encore le gars qui avait envie de faire des bons films, mais là c'est vraiment le gars qui vient toucher son chèque, et même sa réaction par rapport à Expendables 3, là, c'est, ça fait que confirmer le truc. Oh non, il y avait Looper hein, un peu plus récemment quand même. Qui... Ouais, Moonrise Kingdom et Looper quand même, mais bon, il est un peu mort avec cela quand même. C'est les exceptions qui confirment la règle, quoi. C'est... Ah oui, non, clairement. Scalp, t'as le droit d'en citer qu'un. Non, un c'est trop. Déjà, non, un seul, allez, vas-y. Alors, Jack, il en a cité deux. Donc, règle de 3, j'ai tendance à citer 4. Quoi? Non, attends, mais moi je c'est la suite, de, la suite de Fibonacci version 4. Voilà, moi j'ai pas le droit d'en citer qu'un. Attends, ouais, déjà, ouais. J'ai vu Insaisissable, qui est le film le plus con de l'univers, qui est réalisé par un tétraplégique. On lui a payé une grue, il était tout content, du coup il nous a fait que des plans de grue. Non, mais alors Insaisissable. J'ai vu un film avec Joe Star et Gérard Depardieu aussi. La marque oui. Des gens de Luc Besson ou Granger, enfin bon, ça doit être un pseudonyme, enfin, toujours la même merde. J'ai quand même vu aussi After Earth avec le fils Will Smith qui se fait courser par des singes et attaqué par des limaces, paye ton survival. Et puis donc le quatrième, il y a trop de choix. Malavita peut-être. Non, Malavita, j'ai rigolé un petit peu. Gatsby. Hein. Comment on peut aimer un truc comme ça, quoi, le mauvais goût. Mais déjà, je pique summum, pas pourquoi t'as regardé ça, alors que plus, clairement, Baz Luhrmann, c'est pas fait pour toi. Je pige pas pourquoi j'ai regardé ça, je l'ai regardé du coup, mais j'ai jamais vu autant de faux raccords dans un film depuis longtemps. C'est ça se dit réalisateur, ça? Putain, retourne à l'école, hein. Ça donne envie de vomir, juste vomir. Après que, tu sais, l'histoire, elle soit nulle à chier en soi, c'est pas grave. Des histoires nulles à chier, j'en vois toute l'année au cinéma. Mais en plus, quand c'est couplé à une esthétique aussi... Putain, il n'y a pas de terme pour définir ce Gatsby. C'est... Quand je vais au chiottes, c'est plus joli. La métaphore. J'ai fait des caca plus joli que Gatsby, quoi. Ah, et puis aussi, je voudrais une petite citation pour Lincoln. Parce que apprendre que Lincoln c'est un papy gâteau qui joue avec son bébé, ça n'a pas de prix. Ouais, on va passer à moi et je vais citer le film qui m'a traumatisé, le film qui m'a fait prendre 3 années chez un psychiatre et qui me fait entendre des voix encore jusqu'à aujourd'hui, c'est Spring Breaker de Harmony Korine. La grosse arnaque de l'année. Il était gratiné celui-là. Ah oui, pas vu celui-là. Ah non, mais encore aujourd'hui, j'entends Spring Break Forever. Je me réveille des fois, j'entends ça, j'ai peur, je me cache dans mon placard, je vois des gens en maillot de bain, c'est horrible. Je vais le regarder en fait. Ah non mais ce film est une pure arnaque. Il y a toute la presse parisienne qui est là. Oh mon Dieu, c'est génial. Non mais les gens. Mais non. Franchement, James Franco qui chante du Britney Spears. Bah, en fait, c'est ça. C'est que à partir du moment où tu vois un film où la meilleure scène c'est sur du Britney Spears, faut se poser des questions, quoi. Non mais c'est surtout que c'est. Enfin, j'avais déjà déversé ma haine sur ce film à sa sortie, donc faut réécouter. Là, je vais partir pour un quart d'heure, mais ce film c'est l'arnaque du siècle, quoi. Je comprends pas comment on peut tomber dans le panneau de. C'est anti-cinématographique, c'est anti-tout ce film, c'est se foutre de la gueule du monde. Et t'as tout le monde qui tombe dedans, c'est hallucinant, je comprends pas. C'est hypocrite comme film, c'est ce film, enfin ça m'énerve ce film, c'est le film qui m'a le plus énervé de l'année. Pourtant il y a Snowpiercer qui est sorti quand même ces derniers mois, mais ce film m'a énervé encore plus que Snowpiercer, c'est il m'énerve encore ce film. Bref, on va maintenant passer à la déception de l'année, et c'est Alicas qui va commencer. Alors moi, ma déception de l'année, bah du coup, c'est un film là qui a déjà été cité, c'est Lincoln, parce que mine de rien, je crois que ça remonte à quand, à Spielberg qui m'avait autant déçu. Je crois qu'il faut remonter à un truc style Cheval de guerre, non? Ta gueule. non, faudrait remonter vraiment très loin. Faudrait remonter style à L'Empire du Soleil ou La Couleur Peau, quoi, parce que autant des films que t'as même pas vu à leur sortie, donc. Non. Voilà, exactement. Mais tu vois, encore des trucs où des trucs comme l'Empire Terminal. L'Empire du Soleil. Pardon. Non, mais pourquoi j'ai dit L'Empire du Soleil? Je voulais dire La Couleur Pourpre et Amistad.
Des trucs de ce style-là. Pardon, non, l'Empire du Soleil, c'est très bien. Bah voilà, un truc comme Lincoln, juste, je me fais chier, en fait. Et là, c'est vraiment impressionnant, Lincoln. Lincoln, c'était quand même un projet dont on entendait parler depuis plusieurs années. C'était un truc que Spielberg voulait absolument faire, donc ça sentait quand même un truc un peu personnel, quoi. Et finalement, si c'est pour avoir un truc où c'est que du blabla politique, et en effet, comme disait Scalp, pour apprendre que Lincoln, c'était un vieux et qu'il bougeait pas beaucoup, bah, enfin, super, quoi. C'est franchement, là, Lincoln, vraiment grosse déception. Et je suis d'autant plus surpris que à côté de ça. Ça a super bien marché au box-office et que ça s'est ramassé plein de récompenses et tout. Enfin, je suis super étonné pour le coup, quoi. Et franchement, j'espère que Spielberg va revenir avec autre chose de nettement plus convaincant, parce que là, vraiment, il a sorti son film le plus décevant depuis des années et des années, quoi. Jed. Je l'avais cité, c'est Django Unchained, quoi, parce que c'était vraiment l'un des, parce que chaque Tarantino, à mon sens, c'est un événement, et là, malheureusement, malgré tout le battage médiatique qu'il y a eu autour, moi, j'ai pas été convaincu pour les raisons que j'ai invoquées avant. Ok. Jack. Alors, moi, ça va être Inside Llewyn Davis, parce que je m'attendais à quand même une comédie supérieure à ce que j'en ai vu. Et je trouve que c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, que hormis le personnage principal, on ne s'intéresse à personne, et que hormis la bande originale, il n'y a pas grand-chose à sauver de l'histoire. Donc c'est une très grosse déception, parce que chaque Cohen, un peu comme les Tarantino, moi je les attends fermement. Scalp. J'ai le droit d'en citer deux. Ouais, si tu veux. Alors, le premier, c'est pas vraiment une déception, mais quand même, parce que c'était soi-disant bien. C'est Trans de Danny Boyle, c'est atroce du début à la fin quasiment. Et quand on voit la tête de James McAvoy par moment, il y a un plan, il va me hanter toute ma vie ce plan. Donc la grosse déception, quand même, parce que j'en avais vu que c'était quand même Guillermo del Toro, c'est Pacific Rim, qui est ni plus ni moins qu'une merde. Avec finalement le climax final de G.I. Joe 2, c'est pas si mal quand tu regardes Pacific Rim. Oh. Enfin, je sais pas, c'est pas, pour que ce soit pas écrit à la rigueur, pourquoi pas. C'est qu'on voulait pas non plus un truc où on réfléchit, mais putain, c'est ça, des scènes d'action avec des robots qui se fightent contre des monstres, super, il y a un plan avec un bateau dans la gueule. Ouais, putain, ça dure 3 minutes et tout le reste du film c'est du blabla. Les meilleures scènes d'action du film c'est quand même le blondinet qui se fight, c'est pour dire le niveau du reste. Non, Pacific Rim c'est mauvais, c'est de la merde, hein, y a rien à en sauver. Transformers c'est bien meilleur. Et pourtant Transformers, ça vole pas bien haut. Donc voilà, mais après paraît-il que vu que c'est Guillermo del Toro, c'est un film super génial. Non, faut arrêter, c'est de la grosse daube. Un nom de réalisateur n'a jamais fait un film et encore c'en est la preuve. Bon allez, on va passer à moi et ça va être l'écume des jours de Michael Gondry. J'avais presque pleuré en direct à l'émission à l'époque et pour cause, c'était un des films que j'attendais le plus cette année. Pourtant c'était un film français avec adapté de Boris Vian, mais bon, je connaissais pas le roman, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Franchement, j'attendais le film surtout pour Gondry, qui est pour moi un des réalisateurs français les plus intéressants de cette dernière décennie, et du coup j'ai pas retrouvé ce que je voulais. Alors oui, il y a l'univers de Gondry, mais le problème c'est que le film se repose que là-dessus et sur les écrits de Boris Vian qui sont pas terribles à la base, enfin, en tout cas c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Mais ouais. T'attendais quoi d'un film avec Romain Duris en tête d'affiche? Ça pouvait pas être bien. Moi je m'en fous de Romain Duris. Romain Duris, moi, il me gâche pas un film et il me l'embellit pas pour autant, quoi. J'attendais surtout le film, c'était pour Michel Gondry, qui est un mec que je respecte beaucoup dans le cinéma français. Ou que ce soit même américain, puisqu'il a fait des films américains aussi, mais là franchement voilà, j'ai pas, pour moi c'est un de ses pires films, et malgré la dernière demi-heure qui est magnifique, avec je le redis, cette passation de la couleur au noir et blanc qui se petit à petit et qui mène sur un climax complètement autre pour un film de 20 millions d'euros et pour de cette prestance et à vocation commerciale, c'est franchement un des climax les plus bizarres de l'année. Et le problème, c'est que pendant une heure et demie, on se tape, voilà, comme je l'ai dit, une parodie Gondry avec ces espèces de petits mélanges, et puis couplé à Boris Vian, c'est un espèce de truc incestueux possible. Enfin, comme j'avais dit à l'époque, c'est vraiment un film que j'aime pas du tout, et voilà, c'est une de mes plus grosses attentes, et j'en sors franchement très déçu. Donc voilà, c'est ma déception de l'année. C'est maintenant au côté acteur, et on va donc dire la performance masculine et féminine préférée de l'année, c'est Aligas qui va commencer. Bon, alors moi, j'en ai deux ex aequo.
Et je triche parce que les deux, en fait, c'est des acteurs qui sont dans plusieurs films. Donc, alors, en premier, c'est Leonardo DiCaprio. Voilà, parce que le second rôle de Django, c'est juste, enfin, dans Django, il est juste ultime. Dans Gatsby, il est très bien, et sur, dans L'Autre Wall Street, bah là, c'est encore pire que tout, quoi. C'est, le mec, c'est un monstre. Et l'autre, du coup, c'est Tom Hanks. Parce que, mine de rien, c'est un gars qui, ça faisait depuis des années que le mec, il faisait un peu n'importe quoi dans ses choix. Genre, par exemple, j'ai encore en tête des trucs comme La Guerre selon Charlie Wilson, c'était des trucs bien pourraves. Et le mec, il sait pas trop ce qu'il faisait, quoi. Enfin, il y avait vraiment toute une partie de carrière où il faisait vraiment n'importe quoi. Le double Cloud Atlas et Captain Phillips, bah, c'est vachement bien, quoi. Putain, du coup, Captain Phillips, j'en avais pas parlé. Oui, c'est vachement bien, Captain Phillips, hein, excuse-moi, mais... C'est con, hein, mais ouais, genre, la scène finale, c'est là que tu te rends compte que c'est un grand acteur. C'est là que tu te rends compte que c'est un acteur de merde. Ah, mais c'est exactement ce que je pense au mot près. Hein. Non, mais le pire, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Scal, franchement, Tom Hanks, voilà, c'est pas vraiment un acteur, quoi. Et en fait, bien sûr. Non, mais attends, Tom Hanks, c'est Tom Hanks, c'est pas un acteur. Il fait Tom Hanks. C'est l'américain moyen, voilà, c'est ça, c'est l'effet qui me fait, quoi. C'est pas, voilà, c'est comme si tu le mettais en action hero, quoi, j'y croirais pas une seconde, quoi. Et oui, mais là, on le met pas en action hero. Claude Atlas, quand même, il est quand même dans certaines situations un petit peu chelou, quoi, pour un Tom Hanks. Ah bah oui, mais heureusement qu'il y a ça aussi dans sa filmo, enfin, ça serait chiant s'il faisait tout le temps la même chose. La Cloud Atlas, justement, c'est ça qui est vachement étonnant, c'est que ça... Enfin, même Hugh Grant, est-ce que tu l'as déjà imaginé cannibale? Bah non, et pourtant, dans Cloud Atlas, il est cannibale. Là, dans Cloud Atlas, en effet, ouais, le mec, il joue un moment à un Russe qui tue des gens en les balançant par-dessus les balcons. Si ça, c'est pas une prise de risque en fait pour un acteur... C'est ouais, bon, après, il est quand même bien aidé par les déguisements, quoi. Ah non, mais oui, mais je veux bien comprendre. Et après, mais clairement, par rapport au reste de ce qui... Enfin, par rapport à ce qu'il faisait là ces dernières années... voir là le doublé Cloud Atlas et Captain Phillips, et enfin on peut parler de résurrection féminine sortait sur Jessica Chastain dans Zero Dark Thirty, c'est juste génial, mais bon, Jessica Chastain, de toute façon, elle est géniale partout. Tied, donc en masculin, pour moi, c'est Joaquin Phoenix dans The Master. J'aimais bien parce que je trouvais, non mais vous rigolez les gars, non mais c'est vrai, moi je trouvais vachement bien, parce que justement c'est un acteur qui à la base j'aime pas spécialement, mais là je trouvais qu'il était un petit peu dans une performance un peu à la De Niro, c'est-à-dire qu'il joue vachement sur la transformation physique, beaucoup dans le regard, dans la tête, où t'as vraiment l'impression que pendant tout le film il a une tête de pitbull, quoi, il a une tête de clébard, un peu de chien abandonné comme ça, et je trouve qu'il le fait vachement bien, quoi. Et ça m'a, voilà, ça, il m'a vraiment bien impliqué dans cette histoire, quoi. Bon, bah, alors, je veux pas chercher bien loin. Bah, Amy Adams, hein, dans The Master. Ouais, mais ça, on sait que c'est pas pour l'actrice que... Ah bah si, non, mais justement, parce que... Non, mais tu l'aimes, c'est tout. Enfin, tu sais, c'est comme moi avec Jessica Chastain, quoi. Non, mais les gars, on vous demande pas de citer la meilleure actrice. Bah, en même temps, des grandes actrices, j'en connais pas des masses. Donc, enfin, en tout cas, dans les films que j'ai vus cette année, voilà, il n'y a pas vraiment d'actrice qui m'a attiré l'attention plus que ça. Sinon, j'aurais pu citer la blondasse du Loup de Wall Street, hein. Ça aurait été du pareil au même, hein. Donc voilà, donc ouais, non, Amy Adams, vraiment, je trouve que c'est une actrice intéressante. J'aurais pu aussi la citer dans Man of Steel. Dans Man of Steel, je trouve qu'elle campait une Lois Lane plutôt intéressante, qui était, à mon sens, 100 fois mieux que la version de Margot Kidder, parce que là, c'était vraiment une Lois Lane qui faisait pas cruche. Voilà, alors que Amy Adams, dedans, elle, limite, elle envoie chier les gens, elle est un petit peu, tu vois, elle a son petit caractère bien trempé. Jack, alors moi, la meilleure perf masculine, ça sera Leonardo DiCaprio dans L'Autre Wall Street. Il vit vraiment une prestation folle furieuse. Je pense pas qu'il est mieux cette année. Et ma meilleure perf féminine, ça sera Marion Cotillard dans Immigrant. Elle les vannes. Non, je rigole. Et Cameron Diaz dans Cartel. Parce que pour le peu de temps de présence qu'elle a à l'écran, je trouve qu'elle arrive à rendre son personnage, elle arrive à lui donner de l'ampleur et à le rendre vraiment très flippant. Carp. Alors Matthew Good dans Stalker, qui donnerait presque envie d'être homo. Non mais c'est vrai, faut dire voilà. Ce qu'il est. Actrice Reese Witherspoon dans Mode. Ouais. Pourtant je la déteste, elle, mais dans Mode elle est bien. Vous voyez comme quoi on peut citer une actrice qui n'est pas un fantasme dans ces actrices qu'on a trouvées bien au cinéma. C'est moi en masculin, je vais en citer trois.
Donc je vais citer Matthew McConaughey dans Bud, bon elle est facile celle-là. DiCaprio aussi pour le duo Django et Loup de Wall Street. Il n'y a pas de prise de risque dans ce choix, mais bon, il est quand même énorme, donc on ne va pas lui enlever ça. Et bien sûr, Michael Fassbender dans Cartel. En féminin, je vais en citer 4 carrément. Je vais citer Cate Blanchett dans Blue Jasmine, c'est pas un film que j'aime particulièrement, mais elle fait une prestation qui... à elle seule rend le film intéressant et marquant, c'est vraiment une des prestations de l'année pour moi. Je vais citer Mia Wasikowska dans Stalker, puisqu'elle est, elle est excellente aussi. Répète pour moi. Mia Wasikowska. On s'en fout, Wasikowska. L'anorexique. Non, mais elle est très bien, moi je l'adore cette actrice. Cameron Diaz dans Cartel. Julie Delpy dans Before Midnight. Voilà. Donc voilà, dernière petite question pour la route. Un film que vous attendez en 2014, un seul, et c'est Aligas qui va commencer, mais on sait déjà ce qu'il va dire. Oui, bah moi, c'est pas dur. De toute façon, même, même avant que les images du trailer sortent, de toute façon, j'étais condamné. Hein. C'est Jupiter Ascending, malgré le fait qu'il y ait quand même deux gros malus, à savoir le duo d'acteurs principal, Mila Kunis. Alors, Mila Kunis, c'est pas spécialement la pire actrice qui soit, mais... c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément non plus, c'est pas quelqu'un qui me donne envie de regarder un film ou quoi que ce soit. Après, le pire, c'est Channing Tatum, parce que Channing Tatum, pour le moment, les seuls moments où j'étais convaincu, c'est soit quand il jouait le perso monolithique, ou soit quand il jouait sur son image, sur l'humour, quoi. Donc du coup, Jupiter Ascending, ça va demander aucun des deux, et du coup, je suis un peu curieux de voir ça. Enfin, toujours est-il que les images du trailer, ça m'a déjà un peu redonné en confiance. J'ai l'impression que ça va être du gros space opéra, bien, bien furieux. Et enfin, je pense que ça va être un peu, en fait, l'attaque de Sion, mais sur 2 heures de film, en fait, ça va être un peu les washos en mode show-off, comme ils ont bien aimé faire, et ça va faire plaisir à voir. Surtout après Cloud Atlas, du coup, qui était un peu plus sage en termes de mise en scène, donc je pense que là, ça va faire du bien. Okidoki, Jed. Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Parce que voilà, pour moi, chaque film de Paul Thomas Anderson est vraiment super important. Puis là, il l'a enchaîné vachement vite, parce que c'est un projet, bon, il traînait dans ses tiroirs depuis déjà la fin du tournage de There Will Be Blood, et là, il retourne un petit peu à, on va dire, entre guillemets, à ses premières amours, qui est un petit peu le cinéma sous influence de Altman, et là, en l'occurrence, quand j'ai lu le pitch, on dirait un petit peu le privé, il a l'impression de faire un petit peu son petit remake du privé, avec Joaquin Phoenix. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment il y a pas beaucoup d'images qui ont circulé, mais rien que la note d'attention, elle me plaît. Et puis bon, voilà. Moi, Paul Thomas Anderson, il pourrait faire un documentaire sur l'ostréiculture qui m'intéresserait toujours. Donc voilà. Il a été confirmé pour ça, le film. Ben, oui. Je crois que le tournage est déjà fini d'ailleurs. Il est en cours de montage, donc. Ouais, le film est en post-prod là, et je crois qu'ils veulent le sortir pour la fin d'année. Voilà, donc 2014 ce sera. Peut-être même qu'avec un peu de chance, enfin si le truc est fini à temps, pourrait y avoir un truc canois. À mon avis, je pense que vu qu'il est en post-prod, je pense que ça va pas non plus traîner jusqu'en fin d'année. Je pense que ça sortira bien avant, quoi. Ouais, Jack. Hein. Alors moi, ça va être The Equalizer. Donc The Equalizer, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série avec un agent secret qui arrête d'être espion et qui offre ses services aux moins offrants, on va dire, parce qu'en fait, il s'occupe des faibles qui subissent des injustices, et il offre ses services gracieusement, parce qu'il déteste l'injustice. Donc pour ceux qui connaissent pas aussi, The Equalizer, c'est la série qu'on peut voir en fond dans The Wolf of Wall Street, que regarde le père de Jordan Belfort. Et je suis assez content parce que c'est Nicolas Winding-Refn qui devait s'en occuper, et il s'est désisté, et c'est Antoine Fuqua qui a pris sa place, donc il y a moyen qu'on ait un truc bien, bien chambé. Mais Fuqua, il fait pas... la suite là de la chute de la Maison Blanche. Non, le coup des Equalizers, c'est prévu là, donc c'est dans D'accord. les tuyaux avec Denzel Washington en lead en plus, et moins que ça dépote quoi, une sorte de Man on Fire de 2014, espérons. Donc on va passer à mes choix. J'aurais pu citer American Hustle, 12 Hours of Slave ou Out of the Furnace, mais bon, vu que ça sort ce mois-ci, on va citer des projets qui sont un peu plus loin. Donc je vais citer Heart of the Sea, le nouveau Ron Howard, qui a l'air d'être bien sympa. Je vais citer aussi The Grand Budapest Hotel de d'Anderson, qui a l'air de bien me botter. Je vais citer aussi Jane Got a Gun de Gavin O'Connor, parce que voilà, il a fait The Warrior, et en plus il y a aussi Edgerton. Allez, vas-y, tu peux citer encore 10 films, vas-y. Non, je vais passer 10 films. Et puis tous les films avec Michael Fassbender, je les ai pas en tête. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus pour notre bilan annuel. On vous rappelle que vous pouvez retrouver le top 10 de chaque intervenant de l'émission sur le site du Bombcast.
Donc voilà, on se retrouve dans deux semaines pour la nouvelle émission où on parlera de Homefront, de Philomena, de Piégé, des Brasiers de la Colère. Et on parlera également du dernier film d'Alex de la Iglesia auquel on consacrera une rétrospective. Voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver également sur le Facebook de l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à dans deux semaines donc. Ciao, ciao. You're still here? It's over. Go home. Go.